Eh bien le bonjour à tous sur ce petit live. Ouais, je dis ça comme si on était des centaines, hein, alors qu'en fait... je suis probablement tout seul à l'heure qu'il est. Je vais te refaire des petites annonces. Vite fait sur les Discord. Voilà. Comme ça. Ça amènera peut-être des petits curieux. Et si c'est pas le cas, eh bien tant pis. Je vais attendre 2-3 petites minutes. Et puis je vais me mettre à blablater un petit peu. Bonjour, pour le moment on est 3, sachant que sur les 3 il y a moi. Je sais pas qui est là, mais n'hésitez pas à vous manifester. Faire juste un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Me lancer, au pire des cas, c'est pas grave s'il y a personne ou pas grand monde, ce sera pour la VOD. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, du coup, effectivement, j'ai eu la possibilité, je remercie encore Isaac, de m'avoir donné une clé pour découvrir 4 jours avant, enfin c'est bien plus que ça parce que moi j'ai participé à la bêta privée, du DLC de Curious Expedition Islands of Avalon, voilà, on commence bien, qui, comme vous le voyez ici, arrivera le 16 novembre, et ce qu'on va faire, c'est, ouais, c'est bon, ça me fait bien apparaître, je vais, on va regarder ensemble ce qu'il fait, ce petit DLC, parce que je ne sais pas par cœur non plus, quelques images,
Donc effectivement, le concept, c'est d'ajouter, vous allez le voir là, des nouveaux niveaux à débloquer pour le club des explorateurs de la Société Royale d'Avalon, qui est une des trois sociétés qu'on peut choisir. Salut le cygne ! Qui est une des trois sociétés qu'on peut choisir quand on est à Paris, du coup, pour partir en mission, pour débloquer des niveaux avec eux, qui nous donnent des objets. Donc mon petit doigt me dit, sans confirmation officielle, mais bon, j'ai bien cru comprendre que ce serait probablement le cas, qu'il y aura donc probablement 3 DLC. C'est pas sûr, hein. Clairement là je me lance dans un truc, voilà. Un pour chaque société. Et donc là on a déjà le premier pour la Société Royale d'Avalon, qui va donc rajouter un nouveau type d'île avec des régions très montagneuses, et notamment la tribu des Pictes. Donc clairement c'est l'Écosse, hein. Voilà, Angleterre, Écosse. Son jeu est un peu fort. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. C'est le son de ce jeu est toujours fort. ça rajoute également 8 nouveaux personnages à recruter. Le chevalier du Graal, ouais, carrément. Le joli Clydestal, un cheval donc. Des kobolds, qui est une nouvelle race. Vous savez que dans ce jeu, il y a souvent des races autres que les humains. Et donc du coup, on a les kobolds avec 3 variantes, le barde, la crapule et le chaman, et également 3 autochtones pictes, hein, puisqu'il y a le village des pictes. Le druide spirituel, le cavalier picte et le guerrier tatoué. Donc pas mal de personnages en plus, hein, du coup. On a 4 nouveaux ennemis, hein, donc ils vont être un peu dans le folklore de tout ça. Le golem de pierre, les kobolds, le serpent de lac et les loups noirs. Bon, clairement le serpent de lac, c'est le monstre du Loch Ness, hein, si vous l'avez pas compris. 6 nouveaux lieux. La corne géante, le puits à souhait, la statue qui pointe du doigt, les kobolds sauvages, le serpent de lac et le troupeau de jolis Clydesdal. Alors je dois mal le prononcer, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. On a des pièces d'équipement, la lance pique, l'arbalète pique, la cornemuse, la lame légendaire, la loupe, la cuirasse et les bottes blindées. 5 nouveaux objets également, qui sont pas de l'équipement, mais c'est les deuxièmes objets que vous pouvez choper. D'autres objets pardon, que vous pouvez choper. Les pierres fériques, le cérumen de kobold, ça a l'air sympathique, le fragment de pierre, la peau et les cailles de monstres aquatiques. Donc voilà pour le contenu du DLC qui sera à je ne sais plus quel prix d'ailleurs. Je ne vais même pas pouvoir vous le dire parce que je ne sais pas le prix. Et donc on va se lancer rapidement dans une nouvelle partie. Là on va être ensemble pour à peu près 2 heures. On va se lancer ensemble dans cette découverte. On va partir sur une... Alors c'est pas avec le DLC hein, ça, le mode direction, c'est une mise à jour pardon, d'il y a quelques mois. Et qui donne en fait la possibilité très sympathique de ne pas jouer le mode campagne où au début on a toujours elle qui vient vous parler, puis vous avez quelqu'un qui vient, un des explorateurs ou aléatoire qui vient vous défier, qui va vous suivre pendant une campagne. Le mode direction, ça reprend un peu le principe du 1, on va dire. Vous voyez, permet d'apprendre différents jeux et propose des défis qui vont au-delà de se prendre dans la campagne. Vous êtes libre de tester le mode direction n'importe quel moment, nous vous recommandons d'avoir préalable terminé la campagne. Et en fait, à chaque fin de partie, vous allez devoir vous rajouter des malus pour celle d'après, vous n'êtes pas obligé. C'est à chaque fin d'année, je crois. Vous devez vous rajouter un malus pour l'année d'après, mais ça va vous apporter un malus, mais forcément des bonus. Ou vous pouvez choisir de ne pas prendre de bonus ni d'avoir de malus, mais du coup, bah, vous n'avez pas de bonus. La particularité, contrairement au mode campagne, c'est que c'est le mode campagne a ce côté Die and Retry, c'est-à-dire quand vous revenez, si vous étiez niveau 8 par exemple avec la société d'Avalon, vous resterez à nouveau niveau 8. Voilà, ça reste à vie, c'est lié à votre profil en fait. Le jour où vous avez tout débloqué, bah, c'est fait. Le mode direction, vous repartez niveau 1 avec toutes les sociétés à chaque fois. Voilà, donc c'est une autre difficulté. J'ai jamais été au bout, donc je sais pas du tout jusqu'à quel niveau ça, c'est difficile quoi. Donc, enfin c'est long surtout. On va garder le mode aventurier, hein, tranquillou. Dans les personnages, oui, effectivement, il y en a encore pas mal qui sont bloqués. J'ai pas assez joué au jeu, malheureusement, pas autant que je l'aurais voulu. Ouais, du coup, on va partir. On va partir sur le cartographe. Pourquoi pas. C'est de changer son skin. Ah, bah voilà. Il est sympathique celui-là. Shamal Massi. Crée des cartes en explorant et renommé grâce à la cartographie plus 10%. Il commence avec une machette de niveau 1. Parfait. On a également une éclaireuse autochtone. On permet d'observer de plus loin avec en malus la lépidophobie. Elle a peur des papillons. C'est pas très violent ça. Et superstitieuse. Ok. Une commerçante rome de niveau 1 qui fait baisser le prix des trucs. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un bon truc de départ, je trouve. C'est pas agressif certes, mais sympa. On a peu de dés rouges, mais c'est pas mal. Allez, on est parti.
voyez, bon, ça vous présente une espèce d'histoire alternative à la campagne. Après les bouleversements de 1889, je me suis retrouvé nouveau directeur de l'exposition universelle. J'avais pour mission de faire connaître cette organisation qui se consacrait désormais à l'exploration des mystérieuses îles qui disparaissent. Voilà, plus vous rapportez de choses, plus vous gagnez en renommée, effectivement. Et l'avantage aussi de faire le mode direction, c'est que contrairement au mode campagne où les choses avancent petit à petit, bah là, dès le début, vous pouvez choisir sur quel type d'île vous voulez aller. Vous avez l'île tropicale. La mission est toujours la même, du coup. Enfin, pas toujours la même. Il y en a plusieurs, mais je veux dire, là, vous n'avez qu'un objectif unique. Et ensuite, vous pouvez choisir donc le départ. Donc, l'île tropicale classique du jeu, l'archipel, propre à Curious Expedition 2, mais qui est classique, hein, qui est dans le jeu de base, mais qui n'était pas dans Curious Expedition 1, ce genre de biome. L'île préhistorique, ça aussi, on le connaissait déjà. Et le nouveau, les fameuses régions montagneuses. Donc, on va partir sur ça, on est sur difficulté 1, de toute façon pour partout, le budget à une pièce près, il est partout pareil. Et donc, on va y aller. Ouais, les îles préhistoriques dès le début, ouais, carrément, je trouve ça fun. Attends, je vais juste regarder, peut-être baisser un poil le chat, je revois peut-être en jeu, mais... hop là, voilà, on va essayer de le mettre pour le moment par là, on verra si ça gêne ou pas. Plus tard. Hop, alors, donc région montagneuse, bien évidemment, comme ça on vous présente le DLC. Voilà, comme je vous disais, on a toujours les trois sociétés. Donc là, ce DLC, c'est pour ça, comme il s'appelle Avalon, qu'il est basé sur eux, qu'il y a le logo dans la bannière du DLC, etc. Clairement, je pense qu'ils ont l'idée de faire la même chose pour ces deux-là, quoi. On va rester avec Avalon, du coup. Voilà, la nuit avant mon départ, les rues de Paris étaient éclairées par la lumière vacillante des lampadaires alors que je me dirigeais vers le bar. Cette nuit-là, une personne souhaitant partir à l'aventure est venue me parler après avoir resté un moment. Il avait entendu parler de mes exploits et voulait rejoindre mon expédition. Il semblait savoir se débrouiller, mais avais-je besoin d'une personne supplémentaire? Donc vous avez directement quelqu'un qui vous propose de venir vous rejoindre. Donc c'est un interprète de niveau 1, santé mentale restaurée dans un village par nuit, plus 1, ok. Et il est bipolaire. Ouais, ok. Ouais, il sait un peu se battre. Ouais. Bah, de toute façon, au début, autant le prendre, hein, clairement. C'est avec joie que j'ai accueilli Baba. Allez, Baba. J'avais de toute façon prévu de refaire du live sur ce jeu. J'avais envie de refaire cette expérience, de faire un live avec vous, un de ces 4 Curious Expedition 2. Du coup, je pense que je le referai. Là, ça va être une vidéo vraiment de présentation. On va pas aller jusqu'au bout. Mais peut-être refaire un monde campagne comme on avait pu le faire. Putain, tant, parce qu'on s'était quand même bien marré. Hein. Donc j'espère refaire ça. Ouais, direction autistique, toujours aussi sympa, franchement, c'est vraiment du plaisir. Donc on a le navire qui arrive, on peut toujours acheter les provisions. Ouais, ça c'est bon. Ouais, en fait, le concept c'est qu'on a la... Comme on a la commerçante Rome, on a ce petit objet là, qui est en fait une réduction. C'est comme ça qu'ils font, parce que la marchande Rome, qui est là, elle permet de faire baisser les prix lors d'un troc. Donc en fait vous ajoutez automatiquement à la transaction, je reviens en arrière pardon, à la transaction ça. Et déjà de base vous voyez, au lieu d'avoir 84 pièces, j'en ai 89. Elle fait une réduction en fait. Et plus on augmente son marchandage, plus la réduction est élevée. Donc comme d'hab, ça sert à rien de garder des sous, parce que c'est que pour cette partie là, vous ne les récupérerez pas après. Donc on va prendre une trousse de premier secours. On commence avec un kit de cartographe qui permet de cartographier l'île. Une machette, on va prendre ça. On va prendre bref, 2 whisky, peut-être on va en prendre 3, on va voir. Odeur d'animal, c'est non. Le chocolat, c'est oui. La torche, c'est oui. Et whisky, on va plus avoir de place. Et ben voilà, on va pas prendre la torche. Et on a bien de quoi se sustenter. Voilà, une fois mes provisions choisies, j'ai examiné ce qu'il me restait à faire avant d'accoster l'île. Comme d'hab, on peut acheter des provisions, on peut aller voir la soute du navire pour mettre des choses dedans, mais ça ne sert strictement à rien en début de partie. En début de l'expédition. Voilà, classique, c'est il faut retrouver la pyramide d'or. Donc, on est parti et on arrive dans la belle région montagneuse qui est, pour ma part, je trouve très jolie. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le truc. Par contre, voilà, c'est difficile d'accès, énormément de collines. Donc, je rappelle le concept du jeu. Hein, l'idée, c'est que vous avez, à chaque fois que vous allez faire un déplacement, vous avez un coût de déplacement de base qui est de 5. Et en fait, si jamais je fais un seul mouvement là, donc il me coûte 5 de déplacement plus un lac peu profond, ça déborde de l'écran. Ouais, alors attends, je vais regarder ça. Bouge pas. Ah ouais, merde.
Effectivement, ça déborde. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Mais je sais pas si je vais pouvoir régler le problème. Non, non, je suis pas en 16-9e, effectivement. Tac. Mais j'avais trouvé une solution. J'avais trouvé une solution. Ouais, alors désolé, je crois que c'est pour ça. Voilà. Tu vas voir, ça va être mieux. Yes, envoie-moi Eevee. Je prends Eevee, elle est gentille, Eevee. Hop. Et là, je m'excuse d'avance, on devrait être pas mal. Voilà, c'est parce qu'en fait, sur le menu, j'étais bien en 1920 par 1080. Effectivement, comme je suis pas sur un écran 16 neuvième, il m'avait basculé en 2560. Mais moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir les bandes. Et vous, vous voyez tout. Voilà, pour ça, ce jeu est assez bien foutu. On peut le faire facilement. Je peux pas le faire pour tous les jeux, malheureusement, sur cet écran. Donc voilà, donc en fait le but c'est de prioriser des voyages le plus loin possible pour ne pas avoir à chaque fois un coup de... Parce que si j'avance d'une case, bah déjà ça me coûte 5 de base plus la zone. Après si je me déplace, ça me recoûte 5 de base, etc. Donc le but c'est toujours d'essayer de prévoir des déplacements les plus longs possibles. Mais bien évidemment, quand un chemin n'est pas 100% découvert, vous pouvez pas. Donc par exemple, ça m'intéresserait de venir ici pour parler à lui et découvrir ça. Mais comme cette zone-là n'est pas découverte, eh ben je ne peux pas. Donc on va juste aller là pour le moment. Et c'est parti. Avec nos petites poupées. Je les appelle les petites poupées. Alors, vous voyez, cette île contient des régions montagneuses et des basses terres. Le consentement mental de déplacement est très élevé à moins de monter et de descendre grâce au contrefort. Oui, c'est la petite particularité. Rester au même niveau d'altitude le plus longtemps possible, puis utiliser les contreforts ou l'équipement d'escalade pour changer de niveau afin de conserver de la santé mentale. Donc les contreforts, ils sont où? Les contreforts. Ah merde, pourquoi je les vois pas les contreforts? Bon, c'est pas grave. On verra bien. Je pense que c'est ça en fait. Espèce de zone là, un petit peu. Voilà, six contreforts venteux. Voilà, c'est ça. Mais bon, il n'y en a pas partout, hein. Il n'y en a pas partout. Alors, bah du coup, maintenant, on va aller voir là. Dans combien de temps il se déplace? Dans 10 jours. Ok, et si je viens là, ça va nous coûter combien de jours déjà? Ah merde. Ah oui, voilà. C'est ça, pardon. C'est déjà marqué en bas. Donc 6 pour aller là, on sera à 12. Donc c'est bon, ils seront encore là. Allons-y! Voilà, c'est bon, toujours les petites astuces. Hein. Alors, on va faire plusieurs choses. On va déjà faire une traque de proie. On va aller découvrir ces nouveaux animaux. Oh, ils sont beaux. J'ai été cerné par un troupeau de chevaux robustes et magnifiques. Je devrais faire preuve. Ah, je devais faire attention à ne pas effectuer de mouvements brusques. Ça va être dur de les apprivoiser, les chasser aussi, mais j'ai pas envie, on va essayer de les apprivoiser. Mais bon, alors, pour rappel aussi, pour les gens qui ne connaissent pas, on lance 2 dés, on lance des dés, et bah tout dépend le résultat. En combat, les faces des dés ont une importance, pour les défis, c'est uniquement la couleur. Donc là, on voit que le premier dé, on a 2 faces sur 6 qui sont bleues, 3 sur 6, 2 sur 6. Il y a peu de chances qu'on y arrive, surtout qu'il faut 2 dés bleus, mais qui sait, et bah, la chance est avec nous. La chance est avec nous. On approche la bête avec les bras ouverts en essayant de ne pas faire de mouvement brusque. Elle a fini par me laisser m'approcher suffisamment pour la toucher. En lui chuchotant des mots réconfortants, j'ai doucement caressé la tête de l'animal. Je m'étais fait un nouvel ami. Et on a gagné un animal qui s'appelle Féroce. Donc voilà, l'équipe est au complet. Qu'est-ce qu'il fait? Cherche plus 1. Il réduit le coût des déplacements lors de l'ascension de plateau. Forcément, coût d'escalade moins 1. Forcément, vu qu'il est lié au DLC. Et si on avait un animal, on pourrait le. Enfin, un. Pas un animal. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je parle trop vite. Si on avait une selle, on pourrait le monter, un objet de ce genre-là, mais on n'en a pas pour le moment. Voilà. Donc, cartographier l'île, on l'a découvert. Île découverte 80%, lieu découvert 1, région entièrement découverte. Ok, ça marche. On va aussi approcher de l'ancien campement. Hop. En regardant les corps, j'ai eu un mauvais pressentiment. Alors, on peut fouiller le campement, il faut au moins un dé vert, et en bonus, on peut avoir des dés bleus. C'est marrant parce que là, dans ce cas-là, par contre, il vous dit pas. Il vous dit. Enfin, il vous dit le nombre de chances que vous avez de faire du vert, mais pas du bleu en fait. Je sais pas si c'est normal ça, tiens. Je vais faire un petit imprime-écran. Hop. Je poserai la question. C'est peut-être normal, hein, mais dans le doute. Bon, succès total. Donc, meilleur butin possible. Ça commence bien.
On s'est arrêté pour une fouille minutieuse du campement, ça a pris la journée, mais on a trouvé des objets de valeur. Un artefact tribal qu'on peut étudier pour en apprendre plus sur la tribu. Et l'odeur d'animal. Hop. Ouais, t'as raison, je suis tranquille. Je ne me dépêche pas, j'ai largement le temps. Et on va essayer également s'approcher des fameuses autochtones. Voilà les Pictes. Je m'étais demandé quel genre de personnes robustes vivaient sur cette île humide et venteuse. En l'occurrence, des Anglais, ou des Écossais ou des Irlandais, c'est vous qui voyez. Mince, j'ai passé le dialogue, c'est pas grave. J'ai frissonné, je n'étais peut-être pas assez habillé. Bah pourtant, on est plus habillé qu'eux, hein. Je veux pas dire, mais je pense que c'est l'inverse. J'ai frissonné, j'étais peut-être trop habillé. Je pense que le secret pour survivre en lieu humide et venteux, c'est d'avoir le plus de peau possible. Genre, elle doit être bien. Et lui, par contre, il se caille. Lorsqu'ils ont levé les bras pour nous saluer, j'ai remarqué qu'ils arboraient sur la peau des motifs en torsade complexe. Il devait avoir une signification rituelle fascinante à étudier, mais avant tout, nous devions nous présenter. J'allais avoir besoin de gagner leur confiance. On peut demander des informations sur la tribu, ça fait rien de plus, si ce n'est que la rencontre nous permet de gagner un de réputation. Je rappelle que la réputation va de plus 10 à moins 10. On peut demander des informations sur le village, ça le fait apparaître sur la carte. On peut demander de la nourriture. Dans ce cas-là, normalement, je crois qu'ils vous donnent de la nourriture. Je sais même pas si je l'ai déjà fait. Et si on leur fait une offrande intéressante, on peut gagner plus 3 en réputation. Sachant qu'il faut avoir, je crois, 3 ou 5. 3, je crois. Quand on va au village pour pouvoir demander à rencontrer le chef et avoir une quête spéciale. Donc en gros, ça vous permet déjà d'avoir le bonus maximum. Bah, vous voyez, si je veux. Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que ça suffit ou pas? Parce que je. Si, ouais, je crois que c'est ça. En gros, par exemple, si je leur donne les deux trucs. Si, je pense qu'à partir du moment où c'est réussite, c'est bon, je débloque le plus 3. Et en fait, à chaque fois que je remplis des paliers, je gagne encore un bonus. Donc, normalement, si je leur donne ça, je vais passer à plus 4. Je vais essayer. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez? Voilà, ayant à l'esprit mes futures relations avec ces personnes, je leur fais une offrande qu'ils ont acceptée avec plaisir, ils étaient surpris et ravis. On va se mettre en bon terme avec eux. Ils m'ont donné la bénédiction de leur puissante divinité, puis ils m'ont laissé repartir. Donc tant mieux, il faut qu'on trouve leur village maintenant, afin de pouvoir aller rencontrer le chef et avoir une petite quête spéciale, ce serait bien pour commencer l'aventure. Je trouve. Et ben voilà, parfait. On va s'approcher du village des Pictes. Alors, à mon entrée dans le village, j'ai observé les autochtones qui menaient une sorte de cérémonie autour d'une grande idole. On remarquerait aussi que le cheval fait la taille d'une de leurs maisons. Ça vous laisse imaginer la taille du cheval. Ok, les villageois m'ont accueilli le sourire aux lèvres. Ah, punaise, merde. Clique trop vite. J'ai demandé à dormir. Bon, je l'aurais fait, mais c'est que ça va me faire un malus de réputation. En fait, j'ai cliqué sans faire exprès sur dormir, se reposer, donc ça me permet de remonter ma santé mentale, mais en contrepartie, je perds 2 de réputation. J'aurais dû cliquer pour passer le dialogue, mais pas en haut, j'aurais dû m'en douter. Un cri dans la nuit m'a tiré de mon sommeil, où il y a des événements à chaque nuit. Horrifié, j'ai vu un homme imposant tomber à genoux au milieu du village en larmes. Alors, je veux pas dire, mais là, il est pas au milieu du village, il est au milieu du feu, quoi. Là, il crame, quoi. Il est carrément en train de cramer. L'un des aînés avait trouvé la mort. Des lamentations se faisaient entendre tandis que les villageois commençaient un rituel funéraire complexe qui continuerait toute la nuit. Voilà, non, pardon, les rites funéraires n'avaient toujours pas cessé à mon réveil. Malheureusement, les activités non funéraires étaient interdites aux villageois. Notre présence dérangeait les personnes endeuillées. Embêtant. Alors, on peut tenter de voler leur idole, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et du coup, je peux pas troquer avec eux parce qu'ils sont en rite funéraire. Donc, je peux pas remonter ma réputation à plus 3. Donc, je ne peux plus rencontrer leur chef. Voilà. Donc, c'est pas de bol, l'événement qui fout la merde. Voilà. Alors j'ai déjà fait le test de revenir au village suite à un événement comme ça et je me suis pris un malus de réputation parce qu'ils disent bah ils vous ont dit qu'ils étaient en rite funéraire enfin c'était vous êtes enfin en gros c'était en gros hein, c'était pas marqué ça mais en gros vous êtes gonflés de revenir les faire chier ils apprécient pas quoi donc je vais pas le faire. Pour petit rappel aussi j'en profite hein, je fais des petits rappels pour ceux qui ne connaissent pas le jeu donc vous avez des combats bien évidemment dans ce jeu.
Et donc vous avez souvent des créatures, ça peut être des fois des autochtones ou des créatures, qui ont une petite zone de d'aggro, on va dire, hein, en rouge. Et si vous rentrez dans cette zone, vous avez un pourcentage de chance qui est ici à 50% de déclencher leur colère et donc qui se mettent à vous pourchasser pendant un certain temps. Vous pouvez aussi bien sûr déclencher un combat. Si eux vous touchent en premier, ils ont l'opportunité au combat, donc ils vont attaquer en premier. Si c'est vous qui déclenchez le combat, vous avez l'opportunité du combat. Voilà, tout simplement. Donc là, on va voir les éviter. Autre chose aussi, le jeu vous propose toujours le chemin qui juge le plus faible en santé mentale pour arriver à la zone. Mais ça ne veut pas dire le moins dangereux. Donc vous pouvez à tout moment cliquer, par exemple, vous voyez, là il me fait passer comme ça. Bah, si j'ai envie d'aller là, mais de ne pas passer par la zone de créature, hop, je peux faire un petit clic ici. Et après, je peux mettre des petits pins pour lui dire. Ouais, en plus, vous voyez, ça me coûte la même chose, si ce n'est que je passe pas par la zone. Et si je fais un clic droit, hop, à chaque clic droit, on supprime le petit chemin qu'on a parcouru. Donc si oui, voilà, s'il est plus cher de 1. Ouais, pardon, excusez-moi. Mais bon, je peux aussi aller là. Et c'est très bien comme ça. Pareil, astuce, ne jamais se mettre sur une case point d'interrogation. De base, sans le bonus, là, je crois que j'ai le bonus de la. Pas de la commerçante 3, mais l'éclaireuse qui me donne une distance d'observation de plus 15% de base, vous découvrez les points d'interrogation en vous trouvant à deux cases de ceci. Voire plus avec un bonus, mais c'est deux cases. C'est-à-dire que là, en étant ici, vous allez découvrir ce que c'est. Et en étant à une case du lieu, vous pouvez interagir avec sans aller dessus. Je vous le dis parce que ça peut être des économies de coûts de santé mentale. Après voilà, en arrivant là, vous allez le voir, mais si de là après vous voulez y aller, bah, ça vous recoûtera le malus de coûts de déplacement de base. Donc clairement, vaut mieux à la limite faire ça. Sachant que lui va se déplacer, hein, donc le chemin qu'il avait, voilà, vous voyez, je vais peut-être rentrer dedans finalement. Hop là là là, j'ai annulé parce que là du coup je l'ai aggro. Et je pense que j'ai eu de la chance, si je faisais un déplacement de plus, il m'attaquait. Donc bah du coup là j'ai pas trop le choix, hein, je vais l'attaquer moi. Et ça va nous donner l'occasion de voir un combat. Un combat, un combat. Donc voilà tous nos personnages. Voilà la créature ennemie. Donc il a 80 points de vie, c'est un loup noir. On sait que sa prochaine attaque, quand ce sera à lui de jouer, il nous fera automatiquement une morsure déchirante. La cible avec un seul personnage veut dire qu'il cible un personnage. Et pas tous, par exemple. Pas aléatoirement. C'est vrai, il en... Aléatoirement encore, je sais pas s'il y a pour les ennemis, pour nous il y a, mais en tout cas, voilà, une seule personne, et il fera 15 points de dégâts et 10 points de saignement. Et les saignements, à chaque tour, quand c'est au personnage de jouer, vous vous doutez bien qu'il prend des dégâts. Donc, on a nos personnages, et là on a les dés par personnage, donc on peut les revoir. Si vous faites un clic droit, vous avez carrément les phases qui vous dit qu'est-ce que ça fait. Donc là on a deux phases bleues, donc la coup morale, je vais pas les faire toutes, hein. Si j'ai une de ces deux phases là, je pourrais faire 15% de vulnérabilité à l'ennemi, ce qui va le rendre plus fragile. Si j'ai ça, c'est non seulement 15% de vulnérabilité, mais en plus des dégâts, c'est un dé rouge, donc forcément il fait mal. Et sinon, on peut aussi avoir des phases blanches, c'est-à-dire qu'on vous allez voir, on peut relancer gratuitement une fois les dés. Je vais déjà lancer, vous allez voir. Oui. Et ouais, ça c'est nouveau aussi, l'esprit combatif, ils ont changé. Quand on finit un tour, on gagne l'équivalent de notre esprit combatif en santé mentale. C'est-à-dire que à la fin de ce tour-là, si la créature est encore vivante, je vais gagner plus 2 de santé mentale. Et à chaque tour, l'esprit est réduit de 1. Combatif est réduit de 1. Donc au tour d'après, plus 1, puis 0, puis moins 1, etc. Si vous atteignez 0 de santé mentale à cause de l'esprit combatif, vous fuyez automatiquement le combat. Bon bah là, notre santé mentale, je sais pas si on peut la voir, mais elle apparaît même pas dans un coin, c'est marrant d'ailleurs ça. Mais bon, il y a peu de chance de toute façon, alors là ça n'arrivera pas. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme petit dé? Alors, de toute façon je vais commencer par relancer mes dés. Donc ça relance automatiquement les dés qui ne sont pas une phase réussite. Ouais, sympa la petite modification de santé pendant le combat, ouais, c'est un petit truc sympa. Après, les malus sont pas gros, mais c'est vrai que sur 10 tours, par contre, à plus 2, ça veut dire qu'au 10e tour, si t'es encore en combat, parce qu'il y a des combats contre plusieurs créatures qui peuvent être longs, tu peux finir à moins 8, ouais, donc ça peut commencer à piquer. Là, le seul dé que j'ai pas réussi à avoir, c'est celui avec l'arme, la machette, comme elle est que niveau 1, il n'y a qu'une face. Hein, vous voyez, c'est pas terrible, terrible. Et puis là, bah, c'est un fail. Mais je peux aussi dire, bah lui, il a un dé vert qui permet de faire un peu de dégâts. Là, ça met un bouclier. Est-ce que j'ai pas forcément envie d'avoir le bouclier? Bah, vous voyez, vous pouvez dire, hop, celui-là me permet de dupliquer un dé. Bon, par contre, j'ai qu'une chance sur 6 de l'avoir. Vous pouvez reprendre aussi un de ces dés-là et le relancer. Hein. Vous faites ce que vous voulez.
Touk. Mais bon, on va pas prendre de risque. Bon, bah voilà. Ça, je m'y attendais que cette face-là, elle passerait pas. Alors, ce qu'on va faire, on va être intelligent. On va d'abord lui mettre une vulnérabilité de 15%. Comme ça, celle-là, vu qu'elle fait 15% de vulnérabilité et 5 de dégâts, et ben, au lieu d'avoir des dégâts sur 15% de vulnérabilité, il va avoir des dégâts sur 30. Donc au lieu de faire 5, ça va faire 7. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Le cheval, il fait sa petite attaque aussi. Et puis ensuite, alors il fait combien de dégâts? 15, hein. Ouais. Alors, deux possibilités. Ouais, on va voir la plus intéressante. Vous voyez que si je prends que ce dé là et que je le mets, on a 5 de bouclier pour tout le groupe. Hein. Donc là, ça vise aucun, c'est parce que ça concerne tout le groupe. C'est bien, mais voilà. Tandis que celui-là, on voit qu'en bas, il y a une amélioration, c'est-à-dire qu'on peut venir y incruster un autre dé pour améliorer l'effet. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, il fait 8. Et si je rajoute un autre dé bleu, alors ça voulait pas dire un autre bouclier, hein, c'est n'importe quel dé bleu. Quand il y a cette icône-là, ça veut dire juste un dé bleu. On voit que je vais avoir un bonus de plus 11. Donc je passe à 19. Et là, l'avantage, contrairement à si j'avais fait que 8 et que 5, bah, c'est que là, avec 19, on confirme. Et ben, du coup, son attaque à 15 ne va pas passer. Il va pas nous faire de dégâts. Et on va finir le tour. Voilà, du coup, il applique pas de saignement, puisqu'il n'a pas pu nous attaquer. Et on recommence. Tout simplement. Donc là, on a pareil une attaque qu'on peut faire. On a un peu de bouclier. Puis on va relancer ces deux dés là. Il faudra vraiment que je puisse améliorer la machette quand ce sera possible. Ce sera pas en trop. Hop, on va lui refaire une vulnérabilité. Ensuite, on va lui faire ça. Alors, des dégâts de bouclier, bah, il en a pas. Bon, c'est pas énorme. Hein. C'est clairement pas un set de combat, hein, là, les personnages que j'ai. Hein, mais bon. Et là, c'est pareil. Ça se calcule vite. Hein. Celui-là fait 5, celui-là fait 5. Mais si je prends celui-là et que j'ajoute un dé vert, je passe de 5 et 7. Donc on peut considérer que celui-là vaut 7 au lieu de 5 en fait. C'est beaucoup plus intéressant que faire 2 dés à 5. Voilà. Et 14 parce que je rappelle qu'il a 15% de vulnérabilité. Malheureusement ça dure qu'un tour à chaque fois, mais bon, c'est mieux que rien. Bon là on a un petit bouclier, donc là l'attaque elle va passer, mais ça va réduire un petit peu les dégâts. Mais voilà, c'est lui qui prend 10 points de dégâts au lieu de 15. Et il a 10 points de saignement dans un tour. Donc ça veut dire, alors le saignement, comment ça marche? Si je n'utilise pas son dé, si mes souvenirs sont bons, hein, si je n'utilise pas son dé, il prendra pas les 10 points de dégâts. Par contre, si je décide d'utiliser son dé, ça va lui infliger les dégâts. Oui, par exemple, là, il a foiré, je peux dire, ouais, bon, bah. Je vais pas le refaire. Bon, je vais quand même relancer le dé, hein, bien sûr, pour voir. C'est une vulnérabilité. Bon. Effectivement, bon, je vais pas faire beaucoup de dégâts, encore une fois. Hop. Et non, un bouclier. J'avais pas vu. Là, il fait une petite attaque à 15 avec 50% de chance d'étourdir une personne. Ok, bah normalement ça passera pas. Et normalement, voilà, lui ne va pas prendre les saignements. C'est ça, mais parce que j'ai pas utilisé son dé. Donc ça, c'est assez cool. J'aime bien le concept. Comme d'hab, on relance les deux autres dés, mais le dé de la machette, hein. Au niveau 1, la machette c'est pas terrible, mais après, en l'améliorant, ça donnera des nouvelles phases en fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, non mais là je peux pas aller voir les personnages, c'est que la machette elle a un autre effet hors combat qui est quand même assez intéressant, c'est pour ça que c'est pas de la merde. Bon bah moi tant que ça passe, j'ai mes boucliers, à chaque tour il fait pas de dégâts, le combat est un peu long, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix. Encore une fois, c'est pas du tout un set de combat. J'aurais pu fuir aussi, c'est vraiment pour vous montrer. Et là, on commence à prendre de la santé mentale, moins 1. Bon, pour moi, vu qu'on en a gagné, on est bon. Hein. Le loup est costaud, mais avec un set de combat, il tombe vite. Hein. Clairement, ça tombe assez vite. Mais là, on a vraiment... Le peu de dés rouges qu'on a, ils sont vraiment pas là pour faire mal. Quoi. Mais bon, oui, après... Ouais, bah 80 PV avec un set comme ça, ça se sent. Oui, ça par contre, je peux pas dire le contraire. C'est pas grave, tant qu'on a les deux lancers de bouclier, franchement, c'est propre. La vulnérabilité. Ouais. L'important, c'est de pas prendre de dégâts derrière. Voilà, pour moi,
pense. J'avais gagné plus 2 et plus 1. Là, j'ai perdu moins 2, moins 1. Si je le finis à ce tour-là, bon bah, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné de santé mentale. On peut le voir comme ça. Ok, ok. Ah, on peut dupliquer un dé. Ça, c'est intéressant. On n'a pas de bouclier, mais justement, à ce tour-là, je voulais le finir. Donc, en dupliquant un dé, on a peut-être moyen de faire un truc sympa. Alors, après, c'est à voir. Hein, parce que. Si, on peut dupliquer ça. On va dupliquer ce dé là. J'étais bête parce que j'aurais dû faire celui-là qui faisait des dégâts en fait. C'était le rouge qu'il fallait faire. Dégâts de bouclier, j'ai pas fait gaffe que c'était marqué dégâts de bouclier. Bon, c'est pas grave, hein. ça va suffire. Hein, mais... Pour dire que voilà, j'ai fait une petite erreur. L'important c'est de s'en rendre compte. 30. Et ouais, bon là, déjà, il va prendre cher. Il a 45. Et là, vous allez voir, juste pour vous montrer que. Le voilà, là il va se prendre une bonne claque. Bon bah non, du coup on voit pas combien il prend, mais voilà, on perd de la réputation parce qu'on a tué un animal de l'île. Et bah bien joué le cygne pour avoir obtenu à boire. Ok, ça veut dire faut que je bois dans mon verre qui est à côté de moi, c'est ça? Si tu me l'avais pas fait, j'avais pas l'autorisation de boire un coup. Bon bah je vais boire alors. À la vôtre. Merci aussi d'avoir dépensé les 100 points de chaîne pour ça. Nickel, j'ai bu et j'en ai renversé. Voilà, fallait bien ça quand même. Et donc on fouille, on a une peau de loup et de la viande. La viande qui peut être cuite, hein, c'est marqué, utilisée sur la carte. Oh merde, c'est Kino aussi qui a obtenu à boire. Bon bah. Salut Zikino. Bon bah. Du coup, faut que je rebois. Allez, glou glou. Bon, je vais essayer de pas en foutre partout cette fois. Surtout que j'ai un petit verre, alors après, ça va être limite. Ouais, ceux qui voient la VOD, ils vont rien comprendre, mais c'est pas grave. Tout se passe sur Twitch, c'est normal. et donc, voilà, on a la valeur. Alors, la valeur des pièces, vous pouvez pas gagner de l'argent avec. Vous pouvez pas les revendre. Parce que l'argent ne sert qu'au début de la partie. Mais ça vous donne une valeur de ce que vaut le produit quand vous allez faire des échanges avec les autochtones ou autres. Pareil, les objets qui vont vendre ont une valeur de pièce. C'est pas vraiment de l'argent, mais plus une valeur en fait. Enfin, ça a une valeur d'argent en début quand vous êtes sur le bateau, et après en jeu, c'est une valeur de troc en fait. Voilà. Et le petit. Là, le petit fanion, enfin je sais plus comment on appelle ça, qui a 8 en dessous des pièces, c'est le nombre de points de réputation que ça va vous apporter en fin de partie. Qui va vous permettre d'augmenter votre niveau plus vite avec la société qui vous engagez, et également d'avoir plus de tickets de l'exposition. Et ces tickets-là vont vous permettre d'acheter des améliorations, des objets, etc. Ouais, il respire. Ouais, il fait dodo. C'est un jeu non violent, regardez, il fait dodo. Bon, on a sa peau et de la viande, mais non, non, tout va bien. Donc la viande, on peut la cuisiner, contrairement au 1 où on ne pouvait pas. Mais par contre, elle sera toujours carbonisée. Donc c'est de la merde, elle est mangeable, hein. À peine mangeable, même avec une sauce épicée. C'est dire si elle n'est pas terrible. Et ça vous rapporte que 3. Si vous aviez un personnage de type cuisinier, à chaque fois que vous l'améliorez, il va vous faire de la viande de mieux en mieux en fait. Au début, elle n'est pas terrible, et puis après, ça monte. Voilà, on va la consommer. Voilà. Ça, c'est fait. C'est pitoyable. Voilà, pour vous dire le goût. Hein. Allez, on va aller voir ici. Ben voilà, on a trouvé la pyramide. Est-ce qu'on va finir le niveau là, comme ça, s'arrêter alors que l'île n'est pas grande et que c'est la première et qu'on a le temps? Bien sûr que non, on va aller découvrir tout ça. On a encore du gens à rencontrer. Alors, ces personnages-là... Ah oui, alors... Également, hop! On gagne de l'expérience. Oui, monsieur, dame. Au fur et à mesure que vous découvrez des lieux et vous avancez, j'ai 11 points d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'expérience? Bah, vous en doutez bien, on peut promouvoir nos personnages. Attention, promouvoir les personnages, c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose, ils ont une loyauté. Et si cette loyauté descend trop bas, ils peuvent partir. Et des fois, ils partent en vous volant des objets aussi, etc. etc. Donc oui, lui, suite à son combat, vous voyez, il est blessé. Même si elles guérissent avec le temps, les blessures peuvent s'infecter et entraîner des complications. On a 5% de chance par déplacement que sa blessure s'infecte. Avant qu'elle ait disparu, parce qu'à un moment ou à un autre, elle va disparaître. Mais en attendant, ça peut s'infecter. C'est pour ça que j'ai toujours une trousse de soins. Je vous recommande d'avoir toujours une trousse de soins. Ensuite,
Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc on a la loyauté, donc c'est bien d'améliorer vos personnages, bien sûr pas chez les animaux sont loyaux jusqu'au bout. Vous avez ce petit icône quand ça avec une coupe pour vous dire à chaque fois que vous avez quelque chose qui est lié au DLC. Ça c'est sympa. Donc ce personnage-là est lié au DLC. Je reprends. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment améliorer votre personnage aussi, mais vous voyez que comme je suis déjà niveau 2 en début de partie, il faut 20 points d'expérience. Donc soit j'économise, soit j'améliore quelqu'un. Et donc ensuite, par exemple, si je prends voir la commerce en 3, on voit que sa vie passe à 55. Ça le dit pas, mais en fait sa compétence, toutes les compétences évoluent à chaque fois. Donc là, son bonus en début qui me permet de faire, enfin pas en début, lors d'un troc qui me permet, on va le voir avec le marchand après, de baisser le coût est valable aussi ici. Avec son, enfin en gros, ça améliore ça. Comme là, par exemple, ça améliorait la distance d'observation, ou là, ça augmente la santé mentale gagnée, ou si j'améliore l'animal, ça augmente en général sa charge, et parfois aussi, ça améliore ça aussi. Voilà, et ça lui permet aussi, ça change aussi son dé. Vous voyez, elle a diversion et échange rusé. Alors, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça. Tu passes de baisser légèrement à baisser tout court. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Ah bah oui, c'est peut-être même vraiment ça. De baisser les prix. Ah oui, exact. Oui, tout à fait. C'est vrai. J'avais même pas vu. Et donc, les dés, on voit que. Alors, je trouve que c'est pas toujours très clair. Mais en gros, parce qu'il faut connaître le dé, là, si vous remarquez bien, diversion fait bouclier 5. Si je la promeux, diversion fera bouclier 6. Et en plus de ça deviendra un dé améliorable. Vous voyez, avec l'amélioration maximum. Quant à échange rusé, pareil, dupliquer un dé, il pourra être amélioré une fois et permettra probablement d'en dupliquer deux en fait. Donc voilà, l'éclaireuse rapidement. Bah, contournement sera amélioré et son coup de poing rusé aussi. Et on a des améliorations qui se débloquent. Et alors parfois vous avez des nouvelles phases aussi qui apparaissent, c'est-à-dire que celui-là sera en 3 phases au lieu de 2, mais ça vous le dit pas. Enfin, je crois pas que ça le dise en fait. Ou alors je m'en souviens pas, mais. Hop, je ne crois pas. Bon, quoi qu'il en soit, on va améliorer la commerçante Rome. Paf! Voilà, ça augmente également sa loyauté. Et on voit que maintenant c'est des dés qui sont améliorables. Voilà. Alors, ben on va aller voir le marchand. J'aurais peut-être dû faire d'abord la cabane, qui m'aurait peut-être permis de récupérer des objets que j'aurais pu troquer. Vous voyez, j'ai encore fait une erreur. Alors, on va troquer. Attendez, c'est pas sûr, hein, mais. Ok, il a des choses intéressantes. Et on voit que maintenant, elle me fait un moins 7 en marchandage. Donc, c'est intéressant. Au lieu de moins 5. Alors, quand vous avez un objet avec une flèche rouge vers le haut ou une flèche verte vers le bas, c'est tout simplement pour vous dire qu'en ce moment cet objet-là est moins recherché par la personne, donc il coûte moins cher. Vous voyez, les billes normalement me coûteraient 10 pièces, elles me coûtent plus que 5. Lui, il me coûte que 43. Oui, que 43 parce que normalement il devrait me coûter le double, c'est-à-dire 86. Et en contrepartie, bah vous voyez, moi je vends la peau 11 alors que normalement je crois qu'elle était à 5 ou 6, je sais plus. Par contre, si je lui revends, adieu les points de réputation à la fin. Donc l'un dans l'autre, il faut voir ce qui est le mieux. Ça vaut pas très cher. Alors, clairement, acheter le flingue, ça va être très 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 compliqué. Très compliqué. Si, avec du whisky. Pourquoi pas après tout? J'en ai pas besoin. Je gagne quand même un flingue. Ah là là, la photo coût de déplacement moins de 22%, elle est bien aussi. Mais 115 quoi, là il n'y a pas de réduc. Pouf! Non, non, on va prendre le pistolet. Ça peut toujours servir quand même. Et si on a encore de la place, est-ce que je prends les billes? Les billes c'est très utile pour commercer avec les cultures. Vous voyez? Utile pour faire du troc avec les cultures trop naïves pour connaître la valeur d'un franc. Mais sinon, une fois que. Comme là j'ai quasiment fini la partie, ça va rien me donner en fait. Donc, non. Un truc d'escalade éventuellement si je dois escalader une fois, mais bon, franchement, quand on arrive à la fin là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le pistolet. Mais comme je n'aime pas perdre de choses, on va échanger ça et puis voilà. Allez, et voilà. On va maintenant aller voir la cabane de chasse. Alors, la cabane de chasse, on peut troquer avec le chasseur.
Donc des bolasses, odeur d'animal, les peaux de loup, la viande crue, ouais bon, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Alors, même si ça vous intéresse pas, sachez qu'à partir du moment où vous avez le marchandage, et bah, s'il y a un objet qui coûte le prix, c'est-à-dire 7 pièces d'or, bah vous pouvez l'échanger contre rien. Genre là, de la viande, je peux faire, tiens, bah tu me donnes de la viande. Voilà, je te donne rien, mais je négocie bien, ouais, vas-y, t'es sympa et tout. Et hop, ouais, j'ai gagné de la viande, juste en utilisant mon marchandage. Bon, par contre, une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez pas le refaire. Ils sont pas mal, ils sont malins quand même. Et en fait, vous pouvez payer le personnage. Alors, pareil, ça a un coût. Et si vous payez ce personnage-là, s'il y a un ennemi sur la carte, vous pouvez l'envoyer. J'ai annulé, hein. Vous pouvez le payer pour qu'il aille chasser pour vous l'animal. Alors, est-ce qu'il y a un pourcentage de réussite ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas, vous pouvez faire ça. Hop, on va cuisiner les deux morceaux de viande et les bouffer. C'est pas pour ce que ça va nous faire gagner, mais c'est pas grave. Et on va aller tout droit par ici, voir l'autre lieu. Et sauf qu'on a été approché par l'autochtone. Ouf, ok. Je croisais la route d'un gros éclaireur. Un membre du groupe a joyeusement raconté l'histoire d'un énorme poisson qu'il avait attrapé. Il se vantait de son exploit, mais malheureusement personne ne pouvait en attester. Ses compagnons l'ont affectueusement taquiné sur sa propension à l'exagération. Certains traits humains semblaient universels. Et on a gagné un de réputation. Voilà. Et c'est tout. Voilà, des fois il y a des petits événements, positifs ou négatifs. Celui-là est positif. Donc on a cartographié l'île à 97%. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est pour ça que c'est bien de le faire si on peut. Je vais essayer de tout faire. C'est qu'à la fin, vous voyez, l'objet de cartographie va me rapporter 106 de réputation. Donc autant dire énormément. Et ça c'est cool. Alors, on va monter là-haut. Ouais, la santé mentale est faible, je sais. Et on va s'approcher du sanctuaire. Le terrain alentour était sec et aride alors que la région était plutôt luxuriante. On peut entrer dans leur sanctuaire. Et en général, les sanctuaires, vous pouvez, en déclenchant des effets souvent négatifs, vous pouvez récupérer des objets rares ou intéressants. Et notamment, alors avant d'entrer dans la salle de l'hôtel qui va vous permettre de fouiller la salle principale et de récupérer les objets qui vont déclencher les effets, vous pouvez chercher des secrets. Et si vous réussissez, bah vous pouvez trouver des petits bonus en plus. Donc là, il faut au moins un des verres, voire deux pour avoir un bonus. Clairement, je devrais y arriver. Bon, j'en aurai pas deux, cela dit, mais j'en ai au moins un. Donc c'est que du bonus qu'on prend. Après avoir tapoté les murs, j'ai remarqué qu'une section avait une résonance creuse. En l'inspectant, j'ai trouvé une porte coulissante menant à une seconde pièce. J'ai dû utiliser toute ma force, mais j'ai réussi à pousser la grande porte sur le côté. Après avoir essuyé la sueur de mes sourcils, j'ai franchi la porte avec prudence. J'ai découvert que la petite pièce annexe était un ancien lieu de culte. Au centre de la pièce, la statue d'une divinité au visage amical tenait un brin d'herbe dans sa main levée. Ah! Eh ben écoutez, on peut s'en aller ou demander à Ardéchir de manger les herbes. Et eh bien on va voir, vu qu'il est blessé, peut-être que ça va permettre de le soigner, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout les faits, surtout que ça c'est les nouveaux sanctuaires, je les connais pas. Il a regardé l'herbe d'un air sceptique avant de la mettre dans sa bouche. Après un moment, son visage s'est détendu, ses blessures étaient guéries, il était en pleine forme. C'est ça. Et on a gagné un peu de santé mentale en plus. Que du bonus, que du bonus. Et maintenant on va aller dans la salle de l'hôtel. Et c'est là qu'on peut voir. Alors les symboles gravés sur l'hôtel prévenaient les pierres de tombe qu'un soleil brûlant transformerait le monde en désert. C'est la phrase, la deuxième phrase, c'est souvent un indice pour vous dire qu'est-ce qui va se passer si vous acceptez le défi. Enfin, si vous acceptez de prendre ce qu'il y a dans l'hôtel. Mais bon, on est cupide. On est là pour la richesse et la gloire. Donc on va le prendre. Ce qui va déclencher l'effet. Nous nous sommes emparés de tout ce que nous pouvions prendre avant de précipiter à l'extérieur, alors que tout autour de nous commençait à se dessécher et à mourir. Un changement climatique dramatique pour cette région. Nous en étions responsables. Sabinado avait toujours été superstitieuse, vous voyez, comme le personnage superstitieuse, elle est pas contente, donc du coup ça a baissé sa loyauté. Notre réputation aussi d'ailleurs. Mais en contrepartie, on a découvert l'île. D'ailleurs, je vois pas l'effet désertique. Est-ce qu'il va apparaître ou pas? Parce que alors là, pour le moment, on va repartir par là. Ouais, ça y est, c'est ça. C'est en train de se déclencher. Mais c'est pas grave. Parce que nous, de toute façon, on va à la pyramide et on va avoir fini. Mais effectivement, tant mieux que ce soit à la fin qu'on le découvre. Et voilà, la pyramide avait un halo doré et son architecture était différente de tout ce que j'avais pu voir auparavant.
On entre dans la pyramide. J'explorais les chambres vides et caverneuses de la pyramide pendant des heures, mais variant de la qualité impeccable de ses surfaces. Hurrah! Et on gagne 5 points d'expérience, on perd le kit de cartographie, on a des relevés cartographiques, on continue. Et là, vous voyez, récompense d'expédition, on a gagné 6 tickets, 40 de réputation, sans compter les objets qu'on ramène. Parce que tous les objets que vous ramenez vous rapportent un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Par contre les trésors rapportent beaucoup. Et hop, voilà, on a donc 9 tickets et on est déjà passé quasiment rang 3 avec la Société Royale. Et voilà les nouveautés qu'on a débloquées, qu'on pourra recruter directement au bateau grâce, enfin on ira, je vous montrerai après, mais grâce au fait d'avoir augmenté le niveau avec eux. Je vais aller vous montrer, c'est plus simple. Fin de partie, on peut également choisir un bonus pour notre personnage. Soit la cartographie avancée, améliore la précision de la carte et augmente la valeur de renommée. Renommée grâce à la cartographie plus 15%. C'est intéressant ça. Amour de la nature, la santé mentale se régénère plus rapidement lorsque vous reposez en pleine nature. Dans la nature on gagne plus 2 à chaque fois. Ou inspiration de leader, on augmente la loyauté des membres de l'expédition lorsqu'un objectif est accompli. Plus 1 de loyauté à un personnage. Bah, franchement ils sont pas mal tous. Hein. Mais on va prendre la cartographie avancée. Alors je rentre à Paris, j'ai été accueilli par ma fidèle assistante Odile Popuchet. Elle m'a informé que les clubs attendaient avec impatience les résultats de mon expédition. Mais entendait aussi m'y renvoyer aussi vite que possible, comme cela faisait un certain temps, Odile s'est demandé si c'était nécessaire de me mettre au courant de ce qui s'était passé. Oui, en gros ça vous explique le mode, comment fonctionne le mode direction. Je remercie Popuchet pour son temps et me suis préparé à continuer mes travaux. Si j'avais besoin de quelque chose, elle était là. Très bien. Et là, on arrive vraiment dans le Paris comme on le connaissait dans la campagne du début de. Dans la campagne du jeu. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a sur cette petite carte d'entre-parties ? On va l'appeler comme ça. Donc on a les trois sociétés, la Société Royale d'Avalon, l'Académie Taichi et le Lux Lab. On a la boussole cassée qui est le bar où on recrute. Et on a le marchand louche à qui on peut acheter des objets avec nos tickets d'exposition. Hop, on va aller voir la Société Royale d'Avalon. Et on a... Donc c'est avec eux hein, qu'on a passé un rang. Et si vous allez voir le magasin du club... pas le magasin, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Si, le magasin du club, c'est ça. Pardon. Donc on peut voir que... grâce au rang auquel on est, on a pu débloquer un nouvel objet qu'on peut équiper, ouais, que je peux acheter tout de suite contre un coup de ticket. Donc le coup de ticket est à 10 hein, quand même. Hein. Donc voilà. C'est un bâton de randonnée qui a deux. Donc pareil, hein, qui a des dés de combat. Enfin. Ils ont jusqu'à 3 effets les objets. Premièrement, c'est un dé qui peut servir en combat. C'est également un dé rouge qui peut servir pour les défis. Et en plus de ça, une fois qu'il est équipé à un de vos personnages, il applique cet effet-là tant que vous l'avez. Voilà. Donc les objets sont vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Il y a vraiment plein d'objets. C'est-à-dire, chez eux, vous voyez, normalement, on pouvait aller jusqu'au rang 10. Et avec le DLC, ils ont augmenté. Donc, on peut maintenant avoir rang... Alors, je crois même que c'était rang 9 que ça s'arrêtait. J'ai un doute. Rang 9 ou rang 10, je sais plus. Mais en tout cas, maintenant, vous avez un nouveau personnage avec eux, qui est un chevalier silencieux. Il a l'air d'être clairement là pour prendre des dégâts. Il y a également au niveau débloquable rang 11, on a maintenant la cuirasse chevaleresque. Statue combat bouclier automatique 1, hein, je sais pas ce que ça fait. Bonus de défi de finesse, ouais, loupe. Un fusil à éléphant. Et plus loin, on a carrément la lame légendaire. Ouais, d'accord. Dégâts 2, amélioration plus 15, ouais, elle est violente. Hein. Elle est que niveau 1. Voilà, donc pour ici. Sinon, chaque société a également un bonus que vous pouvez... acheter en payant des coups de tickets. C'est pour ça que les tickets, vous n'en avez pas des tonnes et vous pouvez faire énormément de choses avec. Et aussi, voilà, pardon, examiner les objets du mécène, ça vous montre aussi quand vous gagnez des rangs avec eux, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, il y a, pareil comme tout à l'heure, ça débloque automatiquement les objets suivants. Cela, je les ai débloqués parce qu'on est passé niveau 1 avec eux. Et c'est des objets qu'on pourra acheter au bateau désormais. Début de partie, on a ces objets-là. Donc si vous continuez de monter, au bout d'un moment, quand on sera à rang 4, je pourrai acheter ça en plus au bateau en début de partie, niveau 5, etc., etc. Et ça, c'est valable avec les trois sociétés. Vous pouvez rester rang 2 avec celle-là, et prochaine fois, améliorer une autre, etc. À chaque partie, vous pouvez changer. Donc on peut soigner une affliction sur un personnage. Ça permet en gros de lui enlever son malus qui est là. Voilà. Tout simplement. Bon, ça coûte 5 tickets. L'Académie Taichi
Vous pouvez entraîner un personnage. Alors ça ne le fait pas évoluer, hein. Ça lui donne juste 10 points d'XP, je crois. Un truc, mais que au personnage par contre, ça vous le donne pas global, c'est vraiment que au personnage lié. Donc pareil, ça coûte 5. Vous voyez les objets du mécène. Bon, bah ceux-là sont disponibles pour tout le monde, hein. C'est les objets de base. Vous voyez, il y a tout ça à débloquer. Et également d'autres personnages. Hop! Et on a la même chose chez LuxLab. LuxLab par contre sont très 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 bien parce qu'ils permettent d'améliorer les équipements. Donc là par exemple vous avez acheté un pistolet. Enfin, j'avais acheté un pistolet rang 2, je peux le faire passer niveau 3 pour 8 tickets. Ou ma machette, pareil, je peux l'améliorer niveau 2. Donc ça par contre, eux ils sont très 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 bien leur truc. Pareil, ils ont leur magasin de club avec leurs propres personnages exclusifs, leurs propres objets. Et pareil, voilà, les propres objets qu'on peut débloquer avec eux pour le bateau. Ça, c'est à peu près pour ça. On va aller voir le marchand louche. Et le marchand louche, il vend des objets également que vous n'avez pas retrouvés ailleurs et qui ont effectivement un coût en ticket. Donc le problème, c'est que la selle, elle m'intéresse beaucoup pour pouvoir monter le cheval. Mais ouais, il faut que je l'équipe le pistolet, ouais, t'as raison. Je vais le faire. Je vais le faire. Et je vais peut-être économiser l'XP pour le moment. Je vais peut-être économiser l'XP. Alors, on peut équiper un seul objet main et on peut également avoir un objet corps, on va les appeler comme ça. Du coup, comme j'ai déjà la machette, je peux donner le pistolet plutôt à quelqu'un d'autre. Je vais le donner à l'interprète, tiens. Hop. Voilà. Si je le perds, je peux perdre le pistolet qui va avec, hein, par contre. Donc ouais, j'aurais bien économisé, c'est-à-dire rien acheter pour cette partie-là et à la prochaine. Et c'est ouais, mais le problème c'est que comme les objets apparaissent aléatoirement, la selle, c'est pas sûr que je les retombe dessus. Mais clairement c'est bien, coût de déplacement moins 12, coût de case moins 12, charge moins 1. Ouais, c'est quand même bien cool, hein. Plus 5 de santé mentale quand on fait un combat, ouais. Les bêtes peuvent l'équiper, très bien. On a le couteau de chasse, un autre pistolet, le crucifix, qui est bien aussi pour un peu plus de santé mentale. La machette qui est déjà niveau 2. Après j'en ai une, donc voilà. Je vais peut-être économiser. Je vais essayer d'économiser pour une fois pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc si je vais à la boussole cassée, on peut faire plusieurs choses. Alors je peux recruter un autre personnage. Mais alors oui, ça peut être un personnage ou animal. Le cuisinier, bah, quand je vous en parlais, vous voyez, santé mentale de viande cuite plus 2. Et à chaque niveau, bah, il fera gagner encore plus de viande. Mais le problème c'est que là je suis complet, on est 5, donc si je recrute quelqu'un je suis obligé de virer une autre personne. Et on voit bien 5 sur 5, donc non. Investisseur, ça permet d'utiliser des tickets pour avoir plus d'argent en début, pour pouvoir s'équiper plus intensément au bateau. Mais bon, j'ai dit que je ne le faisais pas. Engager un mercenaire, pour le moment on peut pas. Le temple de la renommée, je sais pas si c'est pour revoir ouais, le classement de tous vos personnages, en mode direction uniquement. Par exemple, si c'est un personnage qui est mort au troisième fois, bah, comme c'est du die and retry, bah, vous allez voir, vous aviez fini. Bref, voilà, c'est un Hall of Fame, quoi. Et se rendre au bureau de la direction, ça vous permet de revenir voir elle, qui peut vous rappeler comment fonctionne le mode direction. Bref, rien de bien intéressant. Donc là, je ne vais rien faire de tout ça. Je vais juste choisir une expédition et on va repartir. Est-ce qu'on reste encore dans les régions montagneuses? Oui, hein, comme c'est le DLC, qu'on est là pour présenter le DLC, on va rester dans les régions montagneuses, encore une fois, pour le moment. On va rester avec eux. Comme d'hab, le petit événement à Paris, la veille du départ. Je pouvais sentir une délicieuse odeur s'échapper de la porte. Lorsque je suis entré, j'ai rapidement compris que c'était une séance de dégustation. Un chef cuisinier est venu me demander si je voulais essayer quelques recettes élaborées par ses soins pour l'ouverture d'un prochain d'un restaurant. On va le faire. La nourriture était exquise, tout était finement préparé, c'était un pur délice. Je remercie le chef et grâce à ce dernier goût de Paris, je me sentais d'attaque pour le voyage qui m'attendait. Ok, donc on a gagné un petit bonus de bénédiction de charge. Comme quoi on a bien fait. Comme d'hab, j'approchais le navire de l'île et j'ai croisé mon bateau de ravitaillement. Je me demandais ce que mon mécène avait réservé pour moi. Voilà, donc comme d'hab, on a le petit bonus, plus l'argent, qui est un peu plus élevé en deuxième partie, à chaque truc, chaque nouveau niveau. Donc, toujours ça, 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 ça. Bandage, non. Un petit tonifiant, ça peut être bien. Ça, c'est important. Whisky, whisky, whisky.
et une torche. Pile poil. Hop, débuter l'expédition. Et là, cette fois-ci, il faut faire de la mesure. C'est plus le même objectif. Même lieu, mais pas le même objectif. Ok. Et ben, parfait. Parfait, parfait, allons-y. Et ben, on peut déjà aller là et là. Alors oui, du coup, vous voyez qu'il y a des petites icônes qui apparaissent. Et en fait, quand il y a des icônes, ça veut dire que vous allez utiliser un de vos objets pour avoir un petit bonus dans la zone. Notamment le piolet que vous pouvez voir ici. Ça veut dire que vous allez consommer cet objet là, mais qui va vous permettre de gagner moins 8 en escalade de plateau. Et par contre, s'il y en a qu'un, oui, ça va aller, toi. S'il y en a qu'un, bah, vous l'avez plus après. Sachant que vous pouvez faire des stacks de 20. Si vous en avez, pour en prendre jusqu'à 20 cumulés, et après, ça vous prendra une autre case d'en avoir un autre. Et donc, avec la machette, vous voyez, coût de déplacement dans la jungle, moins 2. Alors, pourtant, c'est pas de la jungle, c'est de la forêt de pin. Donc, bon, mais. Mais ça utilise la machette pour faire ça. Donc c'est bien aussi d'avoir la machette, vous voyez, pour ça. Hop. Touk. Faudrait qu'il change la traduction. Faudrait qu'il change la traduction, tiens, ouais. Je vais me le noter, j'en profite pour leur remonter les bugs. Ils aiment bien, ou les problèmes de traduction. Hop. Hop là. Alors, bah on va déjà reprendre des mesures, ce sera fait. L'objectif d'abord, toujours. On a commencé à cartographier la région, tout simplement, rien de plus, voilà. Il y a deux zones à faire. On va approcher les autochtones. Alors, est-ce que je retente de leur faire une offrande cette fois et que j'essaie de la réussir? Ce serait bien. Ouais, bon, ça vous en foutez, bien évidemment. Le chocolat, vous aimez mieux. Si je sais que si je vous donne un whisky, vous allez être heureux. Oh ouais, bah pile. Bon allez, on va le faire. Cette fois-ci, on va aller le faire. Enfin, à condition que je trouve le village, bien sûr. Je pense qu'il serait plutôt là que là. Parfait. Non, non, je ne traque personne, je ne fais rien de mal. Je vais juste voir. Alors, parfait. Réputation 3, on va aller rencontrer le chef. Alors, j'ai baissé la tête pour entrer dans l'énorme pierre qui se trouvait au centre du village. Je ne savais pas s'il avait été creusé par la nature, par une peau humaine ou par quelconque processus magique, mais elle offrait un doux répit face au vent frais qui soufflait dehors. Une grande personne se trouvait sur une estrade entre deux menhirs. Elle m'a demandé ce qui me menait sur les terres ancestrales de son clan. Je me demandais ce qu'elle pouvait m'offrir. Alors, je peux lui dire que je veux recruter quelqu'un à son village. Ce qui serait très sympa, hein, j'aimerais bien faire, mais bon, voilà, on n'a qu'une seule requête et je suis plein. En groupe, enfin, on est 5 sur 5. On peut demander une quête ou demander des informations sur la tribu. Alors, on va demander une quête. Bon, je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour les aider. Ils m'ont parlé d'une relique religieuse qui avait été volée il y a longtemps. Ils avaient une carte, mais il faudrait que je creuse. Accepté. Ils m'ont offert une carte et une pelle me demandant de faire attention. La relique était très importante et prié pour qu'elle revienne en un seul morceau dans le village. Je remercie le chef de m'avoir accordé son temps, puis je suis sorti. En sortant, j'ai rapidement cligné des yeux pour les réhabituer à la lumière extérieure. Maintenant, on peut perdre un peu de réputation, c'est pas grave. Et en même temps, ça me permet de faire dodo. Ils nous ont permis de les rejoindre ensemble, nous avons passé une soirée calme mais agréable. Ça, c'est l'événement purement neutre, hein. Pas d'effet positif, pas d'effet négatif. Ça s'est passé, point. 5 jours plus tard, ouais, c'est une grosse nuit. Hein. Je me suis reposé pendant une semaine, j'étais toujours le bienvenu dans le village. Je vais regarder troquer avec eux, tiens, qu'est-ce qu'ils ont? Cornemuse, tiens! Oh, elle coûte cher la cornemuse! Couronne bruyante, ça fait des dégâts. Ouais, d'accord. Effectivement, la corne de guerre qui donne armure plus 25%. Ok. Des haches de lancer, les bolasses qui sont moins chères. Des appos, ouais. Attire l'attention des prédateurs et autres créatures aux alentours. Ok, donc ça c'est pour attirer les créatures. Et une flûte en corne qui donne de la santé mentale, mais qui attire plus les ennemis. Ok, très bien. Une gaine en cuir, ouais, bof. Lance ailée. Ouais, ok. Intéressant, mais.
pas grand chose quoi, parce qu'au final y a pas. C'est combien ça? C'est moins 7. Si on peut prendre un bolas, allez. On va prendre un bolas pour dire. De toute façon, autant prendre quelque chose. On s'en va. On emballe les affaires. Et il faut qu'on aille à cet endroit là. Alors, cherchons-le sur la carte. Oh oui. Quelque chose me dit que c'est là. Ça va, c'est pas loin du tout, du tout, du tout. On va y aller immédiatement. On a de la chance, c'est pas loin, je connais déjà la zone. Facile. Vous obtenez une carte au trésor, reliez l'image à un lieu. Hein. Ouais, ça on connaît, merci. Par contre, tu m'aurais pas arrêté mon déplacement, non, c'est bon. Donc, on va utiliser l'appel. Et bien évidemment, on trouve un trésor. Et donc on a trouvé un masque sacré. Alors après, rien ne m'empêche de le garder pour moi et de jamais le ramener. Hein. C'est un choix. Mais bon, on va quand même le ramener, hein. Bien évidemment. Mais vous pouvez, il n'y a rien qui vous force. Il n'y a absolument rien qui vous force. Alors là, pareil. Ouais, il va falloir que j'aille là-bas. Alors là, ça va être un peu chiant parce qu'avec les montagnes, il n'y a pas de passage pour aller là-bas. Donc je pense qu'il faudra faire un chemin comme ça. Donc tant qu'à faire, quitte à aller au village, comme je vous dis, à une case autour, autant que je me positionne par là. Parce que si je remontais par exemple là-haut, enfin par là, ça veut dire qu'après, je ne pourrais pas aller par là, il n'y a pas de chemin. Donc genre, je reparte par en bas. Donc, autant se positionner directement du côté le plus intéressant pour repartir. Donc on va aller ici. Ouais, je sais qu'il y a des trucs à voir en bas, mais bon. On verra dans un deuxième temps. Touk. On a encore gagné de l'expérience. Je sais, j'attends un peu avant de l'utiliser. On va terminer la mission. Le chef m'a accueilli avec respect. Alors, j'ai gagné 20 d'expérience, 6 de réputation, une massue à pointe, branchette de feuilles, du citron, des flûtes en corne et du poisson cuit. Voilà, en tout cas il était heureux, il est heureux. J'ai gagné plein de réputation, ce qui me permettrait de dormir effectivement. Donc on a du poisson cuit, des flûtes en corne, on a du citron, des citrons amers, ouais. Branchette de feuilles, et on a une massue à pointe. Donc on a quand même des objets, hein, deux objets, hein. C'est pas mal. Hein. On a pas mal de trucs quand même, donc ça on va l'équiper nous. Et la masse à pointe, on va la donner à elle, tiens, hop, voilà. Et on va se promouvoir nous-mêmes au passage, ce qui va nous permettre. Si, bah, si c'est là qu'on voit les dés, pardon, vous voyez là on voit les dés, ils vont changer. Ils vont avoir trois faces vertes au lieu de deux. Je sais pas si on le voit sur les autres. Ouais, ouais, ça le montre. Ça le montre effectivement quand il y a un changement de dés. Hop, voilà, on est promu et on peut également promouvoir quelqu'un d'autre. Et ben on va promouvoir lui. Tac, voilà. Et comme on va dormir en plus et qu'il fait des bonus quand on. De plus de par nuit de repos, et ben on va gagner plus de santé mentale. La tribu fêtait la majorité de l'un des garçons, il paraissait déjà assez grand. Pour prouver sa vérité, le garçon devait méditer pendant des heures sans bouger. Ils ont essayé de me taquiner afin de me faire participer au rituel pour prouver ma valeur. Ouais, ça se tente. C'est pas sûr que j'ai un dé bleu, hein, mais ça se tente. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. On a maîtrisé le défi, on gagne encore plus de répute. Décidément, on est à 9 quoi. Enfin, on va redescendre puisqu'on va dormir. Donc, on va redescendre à 7 en fait. Mais je vais redormir une fois pour partir avec ma santé mentale au max. Touk. Ce soir-là, j'ai perdu Ardeshir en pleine discussion avec une personne du village. Il posait des questions sur les légendes locales. Cette tribu vivait jadis sur une terre lointaine, puis a été transportée ici il y a plusieurs siècles par un étrange peuple qui utilisait une magie plus étrange encore. Il s'agissait apparemment des Palikao, une grande civilisation puissante qui avait disparu du jour au lendemain. C'est un récit fascinant, qu'il soit véridique ou non. Cela fait réfléchir, comme il dit. Et voilà, donc là on est au max en santé mentale. Ok, de toute façon ils ont toujours pareil. Ouais. Retour. On se casse. Alors. Voyons voir. On va faire ça, 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 ça et ça. Je pense que c'est pas mal. On va juste éviter celui-là qui est trop loin.
Hop là, on peut s'approcher de la hutte du chaman. Non, la hutte du chaman, normalement, c'est pour enlever des afflictions des personnages, je crois. Voilà, on peut troquer déjà, il doit vendre des champignons normalement. Ouais, notamment. Il y a plusieurs champignons avec des effets différents. Des petits colifichets, si vous offrez ça à vos personnages, à vos membres d'équipage, enfin, vos membres d'expédition, n'importe quoi, ça va augmenter leur loyauté, ils seront contents. Ok, donc la feuille de coca qui rend 10%, 10 santé mentale avec 10% de chance d'échec. Ok, ouais, donc rien d'exceptionnel, enfin pour moi. Éventuellement les colifichets qui pourraient être pas mal, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? Pas d'objet. Éventuellement les bolas. Ils ont quoi comme réputation? 2, 2, enfin comme loyauté, 2, 2, 2, ok. Alors, bon, ouais, ça suffit pas. Ok, super. Une flûte? Non, ok. Citron. Bon, tiens, et les pelles, j'en veux plus. Allez, on va faire ça. Peut également demander une. Mais pareil, c'est que ça coûte de l'argent hein, de demander une purification. Alors, ça coûte pas trop cher, mais ça en coûte un peu quand même. Donner la carte au trésor, elle me sert à rien. La torche peut me servir. On va donner deux cornes, tiens. Et tu vas me purifier lui. Parce que c'est trop chiant, lunatique. Notre chaman a commencé à scander et à communier avec l'autre monde. Lorsque le rituel s'est enfin achevé, nous avons aidé Ardéchir à se relever. Et il n'est plus bipolaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne redeviendra pas quelque chose, mais en tout cas pour moi il ne l'est plus. Alors, ça c'est bien. Donc on va donner un colifichet à elle. Comme ça elle monte au maximum. Et à elle, comme ça elle monte au max. Voilà, on est à peu près tranquille, on est bien. Et on continue. Et des ruines de bateaux. Enfin, une épave. Effectivement. J'ai fait une découverte surprenante, l'épave de ce qui semblait être un ancien navire de contrebande. Comment avait-il pu bien arriver ici? Il gardait peut-être encore quelques trésors, mais les planches pourries rendaient la recherche dangereuse. C'était trop périlleux pour moi. On peut fouiller rapidement ou minutieusement. On va le faire minutieusement. Pour fouiller le navire entièrement, il fallait prendre le risque d'examiner chaque recoin de ce vaisseau en décomposition. Alors, est-ce que je cherche moi ou est-ce que j'envoie quelqu'un? Non, je vais le faire moi-même. Il faut 3 dés verts. Alors j'ai une torche, donc la torche me donne automatiquement un dé qui ne sert pas en combat, mais qui me. Par contre, qui ferait rien en combat, mais qui me donne 6 faces vertes. Donc je suis sûr d'avoir au moins un succès déjà. Plus les autres dés, franchement, j'y crois. Ouais, on est large, très large. Je me suis décidé à risquer l'exploration du vaisseau abîmé. Mon choix a porté ses fruits. Sans aucun incident majeur, j'ai trouvé des objets de valeur. Expérience déjà. Deux pelles. Oh bah merde. Pépites d'or. Tiens, intéressant ça. Et des coquillages. Eh ben, et. On prend. On prend, on prend. Est-ce que. Je m'arrête voir lui. C'est que ça me coûte hein, tout ça à force. Hein. Après, j'ai de quoi manger hein, et boire un peu quand même. Au cours de mon voyage, j'ai croisé un petit groupe d'autochtones qui cueillaient des fruits dans de hauts arbres. Ils étaient avenants et m'ont souhaité la bienvenue en souriant. J'ai admiré leur adresse pour escalader les arbres sans même une hésitation. Oui, c'est bien, tu veux pas risquer tes vêtements. Est-ce que je peux avoir la suite du texte? Merci. Lorsque je leur en ai fait part, ils ont ri de mes craintes et m'ont proposé d'essayer. Voilà, on a quand même des chances d'y arriver. Eh ben, c'était pas gagné, mais c'est bon. Donc on le fait. Et je récupère au passage 3 mangues et de la répute. Ils ont applaudi depuis le sol et j'ai récupéré quelques fruits en prime. Eh ben parfait. Ça se périme vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous les mangez pas, il n'y a pas de date à marquer, mais à chaque déplacement que vous faites, vous avez un risque qu'elle se gâte et donc ça la détruise en fait. Donc, je vais les manger tout de suite, ce sera fait. Voilà. Là, on a des fées. Alors, les fées, je crois que c'est pas. Je les ai déjà rencontrées. Je crois que c'est un. Sont un peu chiantes.
Elle pique des objets, je crois. Donc je vais les éviter. Tiens, on a des kobolds sauvages là. J'en ai jamais vu. Bah tiens, on va aller les voir. Déjà, on va les rencontrer eux. C'est une marchande itinérante. Parfait. Ça, j'en ai déjà. Le vase en argent, intéressant. Les totems protecteurs, une sculpture chamanique qui peut être brisée pour libérer un pouvoir protecteur. Ok, donc ça donne des dés en combat en fait. Hein. Vous utilisez l'objet, ça vous fait apparaître un dé avec les valeurs, avec le bah, la face qui correspond. Là, je pense qu'ils ont tous la face totem protecteur, vous êtes sûr de l'avoir quoi en fait. Une peau de loup géant et des coquillages. Et ben, tu me donnes ça et je te donne des coquillages. Voilà, je pense que je m'en sors bien. Ensuite, alors on va aller là, parce que je veux voir ce que c'est cette zone. Ah oui, bah oui, forcément, c'est la mission. Donc, le missionnaire local m'a souhaité la bienvenue, il était impassible en nous laissant entrer. Alors on pouvait envoyer des objets à Paris, ça c'est sympa. Si vous avez vraiment trois objets que vous voulez déjà envoyer, que vous êtes sûr de les bloquer, etc. Bah, par exemple le vase, hop, vous le mettez dedans. C'est gratuit, les pépites d'or aussi. Et voilà, vous pouvez plus les perdre, elles seront arrivées, vous voyez, automatiquement à Paris. Vous pouvez troquer avec lui aussi. Oui, alors, normalement chez lui, le whisky, parce que bon, vous vous rendez compte, hein, pour un missionnaire local, tout seul sur une île, etc. Le whisky lui coûte toujours hyper cher à acheter, mais par contre, ça coûte, vous pouvez bien lui revendre aussi, vous voyez, plus 133% de coût, quoi. Il est demandeur du whisky, il aime le whisky. Ah, la cuirasse serait presque jouable. Hein. Ah, c'est même plus que presque jouable, c'est carrément jouable la cuirasse. Ah, bon, on va le faire. Hein. On perd du whisky, hein, mais bon. Ça, il veut pas. Les pelles, il veut bien. Comme je disais, moi je suis déjà. Je suis un petit peu radin, enfin j'aime bien vraiment maximiser au maximum. Je retiens cette phrase, maximiser au maximum, ça ne veut rien dire. Allez, on fait affaire. Et si on reste pour la nuit, alors on peut aussi rester pour la nuit, d'ailleurs on va le faire. Par contre, chez lui, bah, c'est pas gratuit quoi, il veut qu'on le paye. Putain, pff, même avec tout ça, ça marche pas quoi. Par contre, la cuirasse, à qui je vais la donner? Tiens, à toi. C'est pas gratos. Du citron, mais citron ça donne de la santé mentale, donc ça m'embête un peu. Une trousse. Allez, une trousse et deux pelles et on peut faire dodo. Merci d'être passé, le signe, effectivement, bon appétit à toi. Et bon live à toi tout à l'heure. Effectivement, à 20h je m'en irai. Et à 21h ce sera... Le signe avec son petit jeu d'horreur qui s'appelle je ne sais plus comment mais je vais vous le dire, j'ai un trou de mémoire. Vous pourrez le retrouver donc à 21h pour Zeus or Remain, la suite du jeu d'horreur avec lui. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment fandard. Alors, la nuit. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand il s'est moqué d'un ancien du village en faisant des bruits d'animaux. Le missionnaire m'a souri avec connivence. Alors, soit on peut le rire avec lui, soit le réprimander. On va le réprimander. J'ai fait comprendre au missionnaire que ce qu'il disait était abominable. Son visage est devenu rouge comme une tomate et il m'a refermé la porte de la mission au nez. Oui, d'accord. Bon, bah... Au revoir. Ah, mais du coup, j'ai pas pu... Ah, j'ai pas pu dormir. Ah, ça m'a... Ah oui, d'accord. Bon, bah... Ok, voilà. Je me suis fait totalement niquer dans l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ok. Hop là, on s'est fait aggro par les kobolds, mais on va prendre le pas. Et regardez qu'est-ce que c'est que ce petit peuple. Oh, ils sont-ils pas mignons? Ils sont-ils pas mignons? Un barde, un voyant et une crapule. Ils sont trop choux. Vous restez devant à manger. Eh ben super, eh ben bon appétit à vous. Ah, faut que je fasse gaffe quand même à ma santé mentale. Mais bon, ouais, on va déjà relancer les dés parce que c'est de la merde. C'est un peu mieux. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans tout ça?
pense qu'on va... On va dupliquer... On va dupliquer quoi? On va dupliquer le dé bleu, tiens. Comme ça, déjà, on va se mettre un bon bouclier sur la tronche. Voilà, parce qu'on les tuera pas en un tour, hein, clairement. Lui fait quoi? 10 de dégâts, 5 de dégâts et empoisonnement, 10 de dégâts et empoisonnement. Bon, après, ils sont pas méga violents non plus. Hein. Hop! Qui c'est qu'on va essayer de se faire d'abord? Voilà, crapule, tiens. Hop! Donc là, soit je prends ce dé-là et j'augmente encore. Ouais, mais bon. Sa vulnérabilité, mais pas les dégâts. Non, non, on va juste faire ça. Et là, on va utiliser ça pour améliorer ça. Lui faire mal. Et... Ouais, le pistolet, il est pas mal, mais c'est le dé bleu, je crois, qui est mieux. Ouais, que le dé vert. Ça, ça fait 6. Et vous voyez, là, c'est pas intéressant. Parce que... Ah, mais utiliser un dé vert, ça va faire un plus 4. Donc le dé passera à 10. Sauf que si je les prends indépendamment, on est à 6 plus 5, 11. Donc là, c'est pas intéressant. Fin du tour, c'est à eux. Oh, l'attaque de violence, quoi. Bah, pour moi, on a tout bloqué. Non, voilà, on n'a pas bloqué l'empoisonnement derrière. Ah, bah voilà, déjà ça c'est mieux. Ça je garde. Là je garde tout. Oh là là, il lance de merde. Bon. Est-ce qu'on a possibilité... Ouais bah du coup ça c'est bien mais on n'a pas d'autres dés bleus alors c'est pas terrible terrible au final. Qu'est-ce que je vais pouvoir dupliquer? Qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va se mettre de la... Il va mettre de la force à quelqu'un, lui va faire des dégâts, lui finalement on devrait pouvoir le tuer. Déjà toi prends ça. Si bah ouais je sais. Hop, prends ça. Toi. Ah oui d'accord, le cheval il a... En fait je croyais que tous les dés étaient identiques mais non non, le quatrième est différent. Il est étourdi en plus. Et bah parfait. Comme ça toi on va pas te tuer à tour là mais t'es étourdi. On va dupliquer le dé bleu. Donc là ça va faire un petit 15 quand même, donc toi tu vas prendre un peu cher. Et un autre coup, voilà. Et on finit le tour. On bloque, lui il va booster et lui passe son tour. Parfait. Alors. Et après il fait quoi? Il re... Ouais bon bah, si je tue tout le monde, lui il va... ça va servir à rien ce qu'il fait. Putain c'est vraiment de la merde mes lancers hein. On dirait le signe noir quoi. Ouais c'est gratuit mais c'est vrai. Allez bah on va mettre ça. Comme ça lui on n'en parle plus. Lui Ok bah lui il meurt. Ouais tu confirmes hein. Je m'en doutais. Ensuite, bah maintenant il n'y a plus qu'à se faire lui tranquillou, hein, on est pas mal. Et bim! Ah, Khazar qui a obtenu à boire. Bon bah. Merci de me faire boire. Putain, c'est sympa, vous êtes sympa, grâce à vous je bois. Vous savez que si j'y avais pas ça, je boirais pas de tout le live, mine de rien. Alors, ma santé vous remercie, et je vous demanderai à chaque fois que je fais des lives, j'en fais pas trop souvent, à chaque fois de faire des à boire, parce que moi ça m'oblige à boire. Je suis un chameau, je suis capable de ne pas boire de la journée, c'est une catastrophe. Enfin, un verre par jour, pas plus. C'est dramatique. Hop,
Attendez, j'ai une petite bouteille à côté, je vais me re-remplir parce que là c'était que le fond du verre, ça comptait pas. Et salut à toi, bien évidemment. Ah. Donc du coup je rebois, hein. Ça comptait pas. Voilà, grâce à vous, j'ai bu deux verres. Déjà pas mal. Allez, fini le tour. Donc lui, il arrête pas de se faire de la force. Voilà, là, il va attaquer, mais à ce tour-là, normalement, la logique voudrait que c'est la fin pour lui. Encore que... Ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai le coup à la tête, étourdissement, déjà. On est tranquille. Tiens. Allez, terminé. Bim. Fin du combat. Ouais, ça y est. Ils sont couchés. Et donc on récupère des appos, du cérumen de kobold. Ouais, alors ça sert à quoi? C'est lui d'un éclat doré au soleil. C'est peut-être pour cette raison que les kobolds le considèrent comme précieux. Ok, ça a de la valeur, pourquoi pas. Et la corne de guerre. On prend tout. Et on va aller voir ce lieu ici. Et c'est un sanctuaire. Allons voir le sanctuaire. On entre dans le sanctuaire. Alors, chercher des secrets. Bon, oui, encore une fois, au moins un des verres, ça devrait le faire. On en a même deux. Parfait. On entre dans le trou. On atterrit doucement sur nos pieds dans la pièce cachée en dessous. Je me suis retrouvé au milieu de ce qui restait d'un atelier de magicien détruit par une sorte de feu. Je pouvais peut-être récupérer des objets. Bon, on va piller l'atelier. Et on trouve des bâtons totems. C'est sympa ça, quand on veut pas se battre. On entre dans la salle de l'hôtel. Les signes d'avertissement indiquent qu'un nuage de poison se déverserait sur quiconque s'aventurerait à voler le trésor. Mais on va le faire quand même, parce que, hein, ça fait pas peur ça. Et donc, on perd la réputation, mais ça c'est pas grave. Bon, on perd la loyauté avec l'autre, ça oui, je sais. Alors par contre, avant... Voilà, on va consommer du citron. Ça, c'est tellement bon. Un peu de poisson. Et on fait gaffe. Et c'est parti. Oh merde, on va se prendre les nuages de poison. Aïe. Bon, ça fait perdre un peu de vie, hein. Ça fait perdre juste un peu de vie. D'ailleurs, en parlant de ça, le cheval. Est-ce qu'on peut pas lui donner de l'expérience, le promouvoir? Ou elle aussi, peut-être. Que ça fait distance observation 18%. Si, allez, on va prendre. On va s'approcher du marchand. Je rencontre un marchand ambulant aux habits bariolés. Vous avez fermement présenté quelques-unes de ses marchandises. Il avait apparemment apporté des objets d'Occident ici. Oh la vache, bottes blindées. Ça, c'est un nouvel objet. Une paire de bottes lourdes protège bien, mais il est difficile de courir avec. Chance de fuite moins 10. Statut du combat, armure 20. Ah oui, quand même. On commence avec 20 d'armure. Sympa. Corde améliorée. Coup de déplacement dans les marécages. Ouais, ça c'est bien. Le crucifix, tient moins 50%. Ça c'est cool ça. Je pense que je vais le prendre parce que santé maximum plus 9. C'est utile quand on commence une partie. Enfin, je vais essayer de le prendre. Parce que, faisant le coup, 29, moins 7. Ok, donc il me manque un petit peu quand même. Cérumène de kobold se revend bien. Mais alors, les pelles, tiens, j'en ai pas besoin. Les totems, non plus. Et puis tiens, le coquillage, et puis voilà, tout le monde est content comme ça. Tout le monde est content. Ouais, allez. Alors, donc du coup, à qui je vais donner le crucifix? Bah elle, tiens. Hop, cadeau. Cadeau. Ah oui, c'est vrai qu'elle est blessée, elle. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Alors tiens, je voudrais bien essayer parce que je vois pas une corne utilisée lors des batailles, elle donne un esprit combatif à utiliser sur carte, armure plus 25%. Alors je vais en tester une. Ok, d'accord, ça me donne un bonus. Ah, j'ai même pas vu, ouais, bénédiction de charge, c'est le bonus que j'ai gagné au bar, ça me donne plus 2, charge plus 2, ok. Moi j'imagine que c'est que pour cette expédition là, mais... Ok... Prêt pour le combat. Ouais, on a une armure de 25 pendant 15 jours. Donc c'est vraiment à lancer juste avant un combat, quoi.
Hop, on va voyager ici. Touk 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 touk. Et on va prendre la deuxième mesure. Voilà. Et on a fini la deuxième mission. Parfait, parfait. Donc on passe rang 3. Tac tac tac, tout ce qu'on ramène. Ouais, 20 tickets. 23. Ouais, bah vache. Pas mal, pas mal. Petit ticket, ouais, c'est bien. Des nouveaux objets débloqués avec la Société Royale d'Avalon. Le thé, c'est sympa, ça coûte cher, mais c'est vraiment cool. Pendant 20 jours, quand vous l'avez consommé une fois, bah, vous avez plus de coût de déplacement de base. Donc, franchement, bonnes économies en perspective. Augmente la distance de détection des lieux. Ouais. Réduit le coût des. Ouais. Réduit les risques de déclencher un combat. Peut être pas mal ça, parce qu'on n'a pas trop un set de combat. Et voilà ce que je pouvais peut-être vous montrer. Alors oui, ça c'est un petit event qui apparaît et qui permet de. Ah, est-ce que je vais essayer de vous montrer une troisième? Est-ce que je veux bien, mais j'ai qu'une demi-heure après. Ouais, bon, allez, je vais montrer une troisième partie. Allez, allez. Ouais, ça c'est un petit event qui apparaît. Vous pouvez récupérer le sanglier truffier. Il vous le propose ou pas? Alors je crois qu'il est bien, mais je pense qu'il est bien, mais il est chiant au début. Je vais pas le prendre. Mais je vais pas le prendre parce que je crois que je suis obligé de virer quelqu'un. Je suis plus sûr de moi. Mais il vous le propose automatiquement. J'essaierai de faire plus vite, hein, la troisième, du coup. De toute façon, ça va. J'ai jusqu'à 21h, mais je voudrais pas non plus en faire trop. Surtout que bon, j'ai pas coupé les vidéos pour la VOD. Donc j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs, mais bon. C'est pas grave. Allez, ça fera une longue. Ceux qui ont envie de regarder regarderont. Alors, on va aller voir le marchand louche. Est-ce qu'il a... Ouais, yes, il a la selle. Parfait. Et oui, c'est lui, là. Il vous le propose gratuitement. Voilà, on reste dans l'inventaire pré-expédition. Légèreté. Donc, à partir du moment où il y a marqué légèreté, je pense qu'il faudrait le retraduire, d'ailleurs. Parce que léger serait mieux que légèreté. Ça veut dire qu'il ne compte pas... ni dans les limites d'inventaire, ni dans les limites des personnages. Il est en plus, quoi. On peut pas le jeter ou le troquer. Et tous les 40 jours, il trouve quelque chose, ouais. Mais je crois qu'il y a, il faut le nourrir. Ouais, voilà, il faut le nourrir, je crois que c'est ça. Il y a un truc dans le genre. Bref, revolver ornemental, le sabre, les jumelles. Non, mais de toute façon, je veux prendre les selles. Hein. J'avais dit que je les prendrais. Chronomètre, moins 22% au temps de déplacement par case. Ouais. Bonus de défi de fouille. Quoi ça? Dégâts, brûlures, étourdissement, vulnérabilité. Ah, c'est sympa. Franchement, les objets, il y en a des vraiment sympathiques. Mais on va... Non, non, on va juste prendre la selle. Qu'on va équiper au cheval. Et on va le promouvoir, tiens, en plus, pour fêter ça. Allez, hop. Promu, plus ça. Désormais, on peut le monter. C'est la première fois que je le fais. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et du coup, une fois qu'il est monté, ça débloque d'autres charges de cavalerie, quoi. C'est énorme. Ça débloque un nouveau style de set de dés. Réduit le coût santé mentale de chaque déplacement. Putain, c'est vraiment cool. Hein. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et je vais aller à Lux Lab. Et malheureusement, j'en ai pas 10, j'en ai que 9. Mais je vais améliorer quelque chose. Enfin, remarquez, c'est pas grave parce que le coût est pas. Ok, donc on peut même améliorer les selles et tout. On peut vraiment tout améliorer quoi. On va peut-être améliorer la machette pour essayer d'avoir 2 dés au lieu d'un. Et après, on pourrait améliorer autre chose. On peut améliorer ça, la massue à pointe. Ou le crucifix, qui me ferait quand même passer à plus 10 de début. Ouais, alors le coût pour 1 de santé mentale en plus, c'est pas énorme. Non, on va améliorer la massue à pointe. Et on va garder 2 tickets. Allez hop, on enchaîne, on choisit une expédition. Et puis là, on va aller s'amuser un petit peu... On va changer, on va aller dans les îles préhistoriques. Et il faut trouver l'orchidée arc-en-ciel. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est chiant ça. On reste avec la Société d'Avalon. Alors, ouais, il y avait de nombreux avantages d'être directeur de l'exposition. Par exemple, je pouvais savourer cette délicieuse bière sans dépenser un sou. Alors, je profitais de ma soirée. Un jeune homme s'est approché de moi. Il disait être un explorateur en herbe et était curieux de savoir si je pouvais passer quelques-unes de mes connaissances avec lui. J'étais ravi de rencontrer une personne avec une telle passion pour l'exploration. Il me suis fait plaisir un plaisir d'entrer dans les détails. Nous avons parlé toute la nuit. Je me suis même surpris à me souvenir d'un ou deux conseils que j'avais moi-même presque oubliés.
Et hop, un peu d'expérience gagnée. C'est que du bonus, c'est que du positif, on prend. Je vous montre celle-là parce que du coup, je vais essayer de la rusher un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça fait de finir une année en mode direction. Comme ça, ça fait à la fois, je vous présente le DLC et le mode direction qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, donc on peut acheter, parfait. Oui, toujours pareil, ça on prend, ça je prends. Alors les théières, c'est bien, mais c'est cher, mais c'est bien. On va prendre du chocolat. On va prendre du thé, oui, ça soigne bien moins, mais par contre, je vais essayer d'en prendre au moins un. Ah, c'est 15, hein. Ouais, c'est chiant ça. C'est chiant, ça fait pas des chiffres. Si, ou alors faut pas que je prenne lui quoi. Mais c'est quand même bien le tonifiant. Ouais, allez, je vais faire ça. Et on débute l'expédition. Il faut que je retrouve une orchidée arc-en-ciel dans les terres préhistoriques. Alors, la seule chose que je voudrais faire, c'est retourner au navire. C'est vrai que sur les terres préhistoriques, il peut y avoir un peu de désert. Ah non, je pensais qu'on pouvait prendre de l'eau. On peut se... Oui, vous pouvez, si vous repassez à votre navire, vous pouvez dormir au navire. Hein. Je vous précise, c'est vrai. Alors là, donc il y a des gardiens de l'orchidée. Si vous avez compris rapidement le délire, donc ils ne vous attaqueront pas pendant 999 jours. C'est-à-dire qu'en fait, tout le temps, ça veut dire. Par contre, dès que vous récupérez l'orchidée, ils s'activent tous. Et là, c'est chaud parce qu'il faut revenir au bateau. Donc, pas simple. Pas simple, pas simple. En plus, là, il y a plein de goudron, donc c'est chiant. Si on marche dans le goudron, bah après, on va avoir des malus. Donc là, je vais être obligé de faire le tour. Donc, on va perdre de la santé mentale. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. On est parti. Ah bah, il y avait un truc là, mais bon, tant pis. Et donc là, on voit que je suis sur ma petite poupée de cheval. Alors, les autres souffrent, infligent des dégâts lorsque vous y déplacez. Se couvrir de goudron permet de s'en protéger. Ce qui est vrai. Ouais, c'est pas une zone facile hein, en général, mais c'était pour vous la montrer si vous la connaissez pas. Allez, on va aller pile dessus, mais on va marcher sur le goudron. Voilà, c'est fait. Si vous déplacez dans du goudron, vous en serez couvert. Vous ne pourrez plus vous déplacer au bout de 5 jours. Le goudron finit par disparaître. Ou vous pouvez vous en débarrasser en vous reposant dans un lieu ou en traversant de l'eau. Par contre, avantage, c'est que ça permet de passer sur le soufre sans prendre de malus. C'est une cabane de chasse. Alors, je vais quand même aller voir pour le... Tiens, on va tenter un truc. Si je lui demandais de chasser ça... Ok, elle a caissé l'air calme. Ok, t'as l'air tranquille. C'est dommage, j'ai pas grand chose à lui donner quoi. Ouais, ça coûte cher hein, quand même. Hein. Ouais, la vache. Ah, ouais. Ouais, ça m'emmerde quand même. Ça m'emmerde. Je l'aurais bien fait quand même pour voir déjà si elle y arrive, ce que ça fait. Mais par contre, ça coûte très très cher. Je sais pas, je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut troquer, tiens? Oui, bah, j'avais vu, remarque, ce qu'on peut troquer. Pas grand-chose. La peau. Ok. Bah, de toute façon, tu vas me filer ta podienne. Parce qu'après tout, c'est gratos. Et là, du coup, si je te la repropose... Bref, mais bon. Non, 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 c'est pas intéressant. Bon, tant pis, ça m'aurait enlevé une épine du pied, mais c'est pas grave. Point de passage, oui, oui, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, il y a Pteranodon, carrément. D'accord, ok. Oui, donc sur les préhistoriques, hein, il y a aussi des dinosaures. Et oui, ce que je ne vous ai pas parlé, que vous avez dans chaque mission, quand il faut retrouver un objectif, c'est que vous avez une boussole qui vous indique la zone dans laquelle se trouve l'objet. Et plus vous découvrez l'île, plus la précision augmente. Vous voyez, là, on est à 65%. Mais on sait déjà que... Bon, après, remarquez, quand on voit comme ça l'île, on se doute que c'est par là. Mais bon, entre deux points d'interrogation proches, ça peut vous permettre de savoir vers lequel aller si vous êtes un peu pressé. Hop, on va aller là. On va éviter le pteranodon. Ah, des plantes épineuses. Ok. Donc...
Le sanctuaire, je sais pas, c'est une très 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 bonne idée là tout de suite. On va y aller. On va quand même y aller, mais bon. Les fumées étaient suspendues aux arbres, la bouche cousue comme pour les rayures au silence. C'est sympa. Chercher des secrets, oui. Hop là, déjà, voilà, parce qu'on trouve des trucs. Des tessons d'obsidienne et un artefact tribal. Ah ouais, bah on prend. Et qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, je sais pas si je le fais. Si je prends ce qu'il y a dedans, je vais regarder ce qu'il y a dedans déjà. C'est tentant! C'est très tentant. Par contre, le village sera vide. Ça va nettoyer complètement les villages. Remarquez dans un sens. On va le faire. Voilà. Les habitants ont tous disparu. Donc ça veut dire qu'on peut plus compter que sur nous-mêmes. Après, ça peut être un peu positif aussi, hein. Ok, ben on est recouvert de goudron. C'est pas plus mal. On va tomber sur le village. Ah, on tombe sur la corne géante. Alors, je sais plus si je l'ai déjà fait. C'est un truc du DLC. Je crois que ça attire toutes les créatures vers nous. Ça va approcher d'un article à la finition extraordinaire. Il s'agit d'une corde gigantesque qui nous surplombait. Quand avait-elle été placée ici? En nous approchant, nous avons remarqué que la corde semblait intacte. Que se passerait-il si nous soufflions dedans? Requin des proies. Requin, ouais, ouais. S'il y a des proies, ça les amène. Un ennemi, ça l'amène aussi, je crois. Et on peut également laisser une offrande. Je crois que c'est pour remonter sa répute, en fait. Donc, non, on va pas le faire. Par contre, on va se bourrer la gueule. Et on va même boire un thé qui va nous permettre de faire des économies. Il faut vraiment que je la trouve rapidement, 80%. Ok, donc elle est pas là. Je pense pas. Je regarde. J'y crois pas. J'y crois pas, on va aller voir par ici, par contre on va marcher sur le soufre. Fait chier. ...86%. Non, c'est toujours plus bas. Je vais aller voir parce que des fois ça peut être une cascade, ça peut nous permettre de nous reposer en pleine nature. Yes, ça c'est cool. Le village était plus haut, pardon, je n'ai pas vu. Bon, de toute façon, il n'y a plus personne dedans, donc je peux plus rien y faire. Alors, dans la nuit, Tembil est venu m'aborder timidement. Tandis qu'elle s'approchait de moi, j'ai remarqué qu'elle rougissait beaucoup. Elle a sorti un beau bouquet de fleurs de derrière son dos. Elle m'a alors confessé son profond amour en bégayant. Et ben. Alors, en fait, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'en ayant un amour avec un personnage, vous avez un bonus. Par contre, si jamais il perd, vous le perdez, vous pouvez avoir un gros malus, je crois. Mais bon, là, on va le faire. J'ai accepté son bouquet avec un sourire. Nous avons passé le reste de la soirée à nous tenir la main sous le ciel étoilé. Si c'est pas mignon, ça. Longue vie aux amoureux, hein. Je vais boire, tiens. On peut se reposer encore. On va le faire. Faut prendre le maximum, on est bien. Tembil a commencé à fredonner à voix basse et en rythme pour finir par chanter de manière absolument déroutante. Sa sensation était d'abord étrange, mais j'ai fini par me sentir apaisé. On est de bonne humeur, c'est bien tout ça. Bon, après on est amoureux, on est peut-être un petit peu, comment dire, pas objectif quoi. Hop, voyez, on va vous montrer. Hop là, amour, voilà, santé mentale maximum plus 7. Sympa. Et là, on s'est bien rechargé. On est à 90% et ça nous dit qu'elle est par là. Alors, serait-elle là? Oh ouais, il y a des chances. Mais de toute façon, je vois pas trop. Ou alors là, il y a un point d'interrogation. J'y crois pas trop. Ouais, c'est bien ça. C'est proche de la cascade prismatique.
Alors, on va d'abord se reposer, hein, une fois de plus, parce qu'on a le chemin de retour. Alors, Sabinado et moi discutions joyeusement nos trouvailles quand Ardéchir s'est approché, l'air tendu. Il semblait nerveux, puis il a fixé Sabina droit dans les yeux, sans prévenir, il a confessé son amour pour elle. Bah, décidément! Elle semblait troublée, mais un sourire est doucement apparu sur son visage, j'ai pris la décision de m'éclipser. Mais tout le monde est amoureux là-dedans! 123 de santé mentale! Oh que c'est bon ça! Oh que c'est bon! Oh bah, dites donc, j'ai fait une bonne partie avec vous! Hein. Je pensais pas, d'habitude quand je fais des découvertes, ça part un peu en sucette, c'est pas terrible, je. Voilà. Franchement là. Sympa. Allez, on va prendre l'orchidée! Et on la range, et maintenant, c'est la merde! Oui, c'est la merde, oui. Ça va vraiment être la merde, vu le chemin du retour, hein. Punaise. Aïe aïe aïe. Ok, pour le moment ça passe. Pour le moment tout va bien. Non, l'ankylosaure foule la paix. Oh putain, il y a même une abomination là. C'est l'enfer. Je pense que eux vont m'aggro, mais je vais fuir. Je vais fuir et une fois que j'aurai fui, je pourrai tracer au bateau. Oh, oh l'esquive. L'esquive. J'en suis ouf. Vous savez quoi, j'ai même le temps d'aller voir le nid de dinosaure. Donc on va y aller. Hop, on va le fouiller. Nickel. Je savais que j'avais peu de temps avant que la mère de ses œufs ne revienne. J'en ai rapidement pris un avant de m'enfuir. Reste dans l'inventaire après l'expédition. Ouais, ça vous fera un petit dinosaure qui est clos normalement. Et vous pouvez après l'avoir dans votre équipage. Oh bah, et je m'en suis super bien sorti. Les gardiens ils sont costauds, ouais. Ouais. Surtout que généralement il y en a deux voire trois dans un pack. Donc clairement, ouais. Ouais, on va s'arrêter là, et on va les semer et c'est bien. Eh bah, je suis super content. Ouais, franchement, là. Très sympa. Bon, j'ai pas trop pris de trucs. Si, enfin, j'ai quand même des trésors. Si, quand même. Hein. Si, je m'en sors bien. Ça fait un bon petit truc. Hein. Voilà, donc maintenant, on peut carrément recruter des guerrières Sikh à la société d'Avalon. Donc, ouais, très combattant. On peut aussi prendre des barres de céréales et la sacoche à fumer. Alors, on peut devenir expert dans les fusées Coston, mais déjà on n'en a pas. Mais plus bon, bof. Survie dans le désert, bof. Cartographie avancée. Ah, là on peut encore plus gagner de réputation grâce à la cartographie qui est notre compétence de base. Donc on va l'améliorer au niveau 2. Alors, je tentais de régler une petite dispute entre deux membres de l'équipe. Ma porte est tout à coup ouverte, j'avais presque oublié mon rendez-vous avec les dirigeants des clubs d'explorateurs. Eddiebot s'est approché de moi, ses pieds cliquetant sur le sol. Monsieur le directeur, mon maître vous salue chaleureusement, quant à moi je vous salue de manière froide et robotique. Vos expéditions étaient une réussite, mais il est toujours possible de mieux faire. Et c'est là la particularité du mode direction, c'est qu'à chaque fin d'année, Monsieur Edison n'est pas arrivé là où il est, sans s'être lancé des défis, et vous allez en faire de même. Alors, on peut prendre des effets. C'est-à-dire qu'on peut prendre mauvais dés. Les défis de dés sont assortis d'un dé supplémentaire avec un risque de mauvais résultat. En contrepartie, on a plus de 20% de renommée supplémentaire pour les trésors apportés. Même chose, mais c'est brouillard rapide. Le brouillard commence plus près des îles et les absorbe plus rapidement. En gros, le brouillard, j'en ai pas parlé, c'est une espèce de brouillard violet qui entoure l'île. Vous le voyez pas de base. Et plus le temps passe, plus ce brouillard va se rapprocher. Bon, là, j'étais assez rapide dans mes parties. Mais si vous traînez trop longtemps, au bout d'un moment, c'est la merde. Et le brouillard, il est assez chaud. Hein, enfin, vous pouvez pas l'enlever, et quand vous passez dedans à chaque fois, c'est la merde. Donc voilà, il y a le brouillard qui est plus rapide. Condition imprévisible, vous subissez des pénalités lors des expéditions, à moins que vous n'achetiez des objets pour les compenser au magasin du navire. Vous pouvez aussi prendre aucun modificateur.
Voilà, dire je continue et bof, non, je prends pas. Sachant que j'ai un personnage qui me met des gros bonus de renommée, je pourrais avoir des plus gros bonus encore, mais franchement, la partie était bien, je ne vais pas en prendre, donc voilà. Et on commence après la deuxième année, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà pour cette petite découverte. Alors, qui n'est du jeu, du DLC, mais pas que, parce que c'est très très difficile dans ce genre de jeu avec des événements aléatoires. Encore que j'ai essayé avec le mode directeur, j'ai pu choisir le biome, donc ça c'était bien. Mais c'est très difficile de vous présenter un DLC, puisqu'on n'a pas pu voir le monstre du Loch Ness, etc. Bah, c'est pas le genre de jeu où vous allez dire, bah voilà, je vais te montrer ta 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 ta. Il faut que les events se déclenchent, il faut que vous ayez la chance de tomber dessus, il n'est pas à toutes les parties, il faut avoir des fois des. En plus, le DLC est nouveau, il sort dans 4 jours, donc on ne sait pas encore exactement comment déclencher certains effets. Donc c'est très dur de vous le présenter, mais ça permet de vous représenter le jeu pour ceux qui ne le connaissaient pas, de voir un peu ce qu'apporte le DLC, et puis également de vous montrer aussi le mode directeur, que je voulais vous faire une vidéo quand il est sorti, parce que je trouvais ça sympa, mais pareil, je n'avais pas pu. Donc ça permet de faire un tiers groupé, c'est l'occasion. Donc le DLC, il sort dans quelques jours, c'est le premier contenu payant pour le jeu. Il sera de. Enfin, je crois que j'avais l'info du prix en plus. Ça me tue. Je vais regarder très 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 vite fait si je retrouve ça. Je devais avoir l'info, je crois, ou pas hein, d'ailleurs, mais. Parce que j'avais pas ça dans la doc qu'ils avaient filé pour la bêta. Non, bah non. Non, non, j'ai pas l'info. Après, ils ont mis des news du jeu. Est-ce que ce serait dans les news du jeu? Si je peux vous donner un prix, c'est toujours bien, hein. Mais je ne crois pas. Je crois pas qu'ils en ont parlé. Non, non, non. Il n'y a pas de prix annoncé encore pour le DLC. Mais sachant que le jeu est à 19,99€ sur Steam. Et en ce moment, il est en promo. Il est à 13,99€. Voilà, le DLC, il sera sûrement de quelques euros. Je pense pas que ça va aller chercher très loin. C'est pas trop trop le genre. C'est la première fois depuis Curious Expedition 1 qu'ils font un contenu payant pour un jeu. Ouais, c'est pour dire que vraiment. C'est rare. En tout cas, merci beaucoup. Merci le Cygne d'avoir été très présent. Merci Zikino Kazar qui sont passés aussi faire un petit coucou. Et puis bah voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo aussi sur YouTube, merci. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en discuter, si vous voulez me demander des choses, si ça vous a plu, c'est n'importe quoi, n'hésitez pas à me retrouver sur le Discord Les Jeux du Cygne. Hein. Vous pouvez trouver le lien sur Twitch, vous pouvez trouver le lien sur YouTube, il est un petit peu partout. Donc voilà, il suffit d'être un petit peu curieux. En tout cas, moi je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine découverte, pourquoi pas, j'ai notamment un ou deux trucs dans les papiers. Et également dimanche pour rappel à... je sais plus quelle heure. 20h? 21h? 21h. 21h, 23h je crois. Pour Deep Rock Galactique avec les Nimposteurs de l'espace. C'est-à-dire, vous aurez moi, Lutin, Flo et Dacus, et on fera 21h-23h, voilà, c'est ça. Merci, je me souviens même plus. C'est ça, oui, 21h-23h, c'est ça. Pour découvrir une plongée abyssale, un enchaînement de trois missions, voilà, bref. Vous verrez ça dimanche pour les plus curieux. En tout cas, merci, je coupe là, et puis à très vite. Ciao tout le monde!